Good morning, everyone. Bonjour. C'est encore un peu fort. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent encore, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est pour cela que nous allons déjà commencer maintenant. Je vais tout d'abord introduire un peu les, indi les personnes qui sont avec moi. Ensuite... Nous allons parler de la logistique de la session. Donc, à gauche, il y a Dr Daniel Bronstrick, le ministre de l'Énergie, qui fait partie du ministère de l'Économie et de l'Énergie. Merci beaucoup, Lynn. Mesdames et messieurs, tout d'abord, bienvenue. Bienvenue. Ici, à Berlin, nous sommes très heureux de vous avoir ici. Nous sommes très impressionnés par la participation et nous sommes très fiers d'être le pays d'accueil de l'IGF 2019. Vous savez, l'Allemagne soutient une approche multipartite et nous voulons que tous les parties prenantes qui ont été sous-représentées jusqu'ici soient représentées ici. Le gouvernement allemand soutient aussi le groupe de haut niveau sur la coopération numérique. Au nom du gouvernement allemand, j'aimerais vous remercier tous pour votre engagement et pour votre soutien pour le rapport final du groupe de haut niveau. Vous ne seriez pas ici si vous n'étiez pas complètement engagé pour le futur de la gouvernance numérique. Depuis la fin du rapport final publié en juin, nous avons eu un processus consultatif avec la communauté d'Internet. Nous avons eu des retours de tous les groupes, du, des gouvernements, du secteur privé, des universités, des organisations, du secteur public et privé. Ils ont tous été engagés et ont pris part à ce processus ces derniers mois. Aujourd'hui, nous avons cette réunion et tous les résultats sont présentés en ligne. Vous pouvez déjà les voir. Il y a d'autres pays qui ont participé aussi à cet effort. La consultation en ligne de Eurotique va être aussi présentée le 28 novembre 2019. Aujourd'hui, lors de la première journée du Forum sur la gouvernance de l'Internet 2019, nous attendons des contributions très intéressantes de votre part et des commentaires. Je me réjouis d'entendre les discussions que nous allons avoir. L'Allemagne a, a eu la mission de coordonner cette organisation et de parler de la recommandation 5 en tant que champion. J'aimerais vous dire que nous avons toute la responsabilité que nous avons. Dans les prochains mois, nous voulons présenter beaucoup d'opinions et parler avec tous les groupes des parties prenantes. Nous voulons entendre leurs expériences, leurs expertises, leurs idées qui sont très importantes pour notre travail et nos réunions. Nous voulons que tous soient engagés afin d'avoir un dialogue inclusif et mondial. Nous allons parler concrètement de l'architecture, de la gouvernance sur l'Internet et de son avenir. Comment nous pouvons mettre en place la recommandation 5 et quels doivent en être les détails nous espérons que nous allons trouver des solutions concrètes pour ces questions. Mesdames et Messieurs, je vous invite tous à participer à ces discussions et à ce programme de consultation. Venez nous voir, prenez part à ce dialogue. Maintenant, je me réjouis d'entendre les discussions d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci Daniela. Maintenant, je vais faire encore une introduction, et puis nous allons entendre quelques remarques. Donc, nous avons un conseiller spécial pour l'anniversaire des Nations unies, et Monsieur Horshield, qui va essayer de parler de la coopération numérique, un sujet sur lequel il s'engage depuis déjà des années. Il va en parler dans quelques minutes. Il y a aussi l'ambassadeur Benedicto Fonseco qui a été actif dans, à propos de ces discussions depuis déjà des années. Benedicto ne représente pas ici le gouvernement du Brésil en, en tant qu'ambassadeur, mais ici, il présente son travail en tant qu'ancien président du groupe de travail sur la coopération et le développer et améliorer. Il va parler aussi en tant que représentant et membre du gouvernement euh, et du groupe consultatif multipartite, le MAG. Il y a encore des personnes qui prennent place ici et nous allons un peu expliquer comment aujourd'hui cela va fonctionner. C'est un processus que nous avons depuis 2015. Nous avons des consultations depuis là et nous demandons à chaque personne de s'asseoir selon leur groupe de selon le parti les parties prenantes auxquelles ils font partie afin d'avoir un peu tous les opinions. Nous allons donc passer d'un groupe à un autre. Nous voulons que la participation tourne et c'est la cinquième fois que nous avons ce groupe multipartite. Nous vous demandons donc de vous asseoir en fonction de votre groupe, de, du groupe auquel vous appartenez. Et puis, on va vous demander aussi, lorsque vous prenez la parole, de vous présenter. Afin de vous préparer un peu, nous allons vous demander chacun de parler au maximum pendant 2 minutes 30. Nous devons finir à 12h30. Et nous voulons que tout le monde puisse prendre la parole, que toute la communauté puisse prendre la parole. Voilà maintenant quelques détails sur la logistique, et je vais donner d'autres détails plus tard, mais maintenant je vais donner la parole à Monsieur Horschild. Bonjour, bonjour à tous. C'est bien d'être ici ensemble dans cette petite salle très agréable, très confortable. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre autre, l'Allemagne. C'est vraiment beau de voir toute cette organisation, à quel point l'invitation a été envoyée à tant de parties prenantes. C'est pour moi un grand honneur d'être modérateur de ces discussions. Mais c'est aussi pour moi un honneur d'être ici avec Lynn, qui, depuis quatre ans, a fait un travail extraordinaire en tant que présidente du groupe consultatif multipartite, le MAC, et nous allons la regretter. Comme Lynn l'a dit, nous espérons pouvoir bénéficier de cette organisation. C'est la. Dernière IGF qui parle du rapport de, des Nations Unies sur la coopération numérique. Ce rapport est en ligne avec l'IGF et son objectif, c'est-à-dire de renforcer la coopération dans le cyberespace, en incluant les gouvernements, le secteur privé, les universités, la coopération internationale. Bien sûr, cette coopération existe déjà depuis longtemps. Et elle existe aussi, non seulement à l'IGF, mais aussi dans d'autres organismes. Mais ce qui se passe ne correspond pas aux dimensions des défis auxquels nous faisons face. La coopération internationale est critique pour faire en sorte de mieux profiter des bénéfices de d'Internet, que tout le monde puisse en profiter et qu'il y ait moins de risques, que les risques soient mitigés. La coopération internationale est une barrière qui permet de protéger et de s'assurer que tout le monde puisse utiliser et avoir accès à Internet, peu importe d'où ils viennent. 3,6 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet, mais il y a toujours plus de personnes qui sont en ligne. Et c'est pour cela que nous avons besoin de mesures de sécurité, de protection qui assurent la liberté d'opinion, la propriété des données, la cohésion sociale. La plupart du travail dépend bien sûr du travail national, des normes normatives régionales, nationales et des approches. Des différentes régions. Et cela, cependant, Internet ignore les frontières et transnationales. Et je pense que toutes les personnes ici à ce forum aimeraient continuer à conserver cette nature mondiale d'Internet. Donc, pour être efficace et pour minimiser la vulnérabilité, il faut travailler sur le plan régional et national pour mettre en place des réglementations au niveau international. Un Internet fracturé est une grande menace à l'Internet libre sur le simple Internet qui a été mis en place par les pères fondateurs. En septembre, on a pu voir que dans diverses déclarations, le secrétaire général Eric Schmidt ainsi que le précédent PDG de Google, ainsi que Brad Smith dans un nouveau livre, tous ont montré la, les fractures existantes sur Internet. Il y a deux parties ici. D'un côté, la Chine, de l'autre côté, les États-Unis. Nous voyons donc déjà les fractures face à un cadre réglementaire. L'Europe, la Chine, la, la Russie, d'autres pays ont des réglementations qui sont incompatibles. De plus, nous voyons une tendance de localisation des données qui, qui sont confinées dans des centres de données, dans les frontières d'un pays. Et il y a le problème de la réglementation et de la législation sur les données. Nous voyons des réglementations incompatibles et fragmentées si nous acceptons cela cela signifierait de perdre toute la nature libre et sûre et mondiale de l'internet il faut fournir des réglementations des normes pour tous et surtout pour les plus vulnérables tout ce qui est indispensable et nécessaire ce sont les avantages des nouvelles technologies. Nous ne pouvons pas accepter une dystopie. Nous devons améliorer notre utilisation des technologies, limiter les inconvénients et faire en sorte que nous ayons une approche constructive pour maximiser les avantages d'une façon ouverte. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a un consensus, consensus international, par exemple, une charte, selon un article de septembre du New York Times qui se base sur de très bonnes recherches, même si nous ne pouvions pas tout vérifier, selon cet article, le nombre de rapports de... de violation de l'image des enfants sur Internet a augmenté énormément sur Internet, bien plus que l'augmentation de l'Internet. En 1988, il y avait 3000 images pornographiques d'Internet. Et l'année dernière, il y en avait 5 millions en ligne, des images, des vidéos pornographiques d'enfants. C'était deux fois plus que les années précédentes. Nous voyons des consensus transfrontalières, des consensus dans tous les groupes, toutes les parties prenantes, qui montrent que nous devions, que nous nécessitons les, les barrières, les sécurités appropriées face à cela. Et cela est tout à fait vrai Su, à un niveau international. Notre nos mécanismes de coopération internationale n'ont toujours pas réussi à faire face à ces gros défis grandissants. Nous n'en sommes encore qu'à nos débuts. Les gouvernements ont des difficultés à surveiller, à contrôler l'Internet. Et la législation ne suit souvent pas le rythme des innovations. De plus, nous avons de plus en plus de nationalisme et la coopération au niveau international perd et a tendance à disparaître. Alors qu'on en a besoin pour faire face aux effets perturbants des technologies, mais aussi pour d'autres priorités telles que le changement climatique. Il est aussi nécessaire de mieux faire face aux différences, aux divisions et fractures géographiques en matière d'opportunités des technologies. Nous devons faire en sorte de mieux inclure toutes les perspectives venant du sud des pays du sud. Il y a 28 pays de l'Union européenne qui ont près de 90 de taux de connectivité. Mais dans les 27 pays les moins développés, ces pays perdent énormément et les taux de connectivité s'élèvent seulement à 20 C'est une énorme différence qui me donne matière à réflexion. Les données, les infrastructures qui sont nécessaires pour le système numérique doivent être pensées face aux tendances actuelles. Car il y a de plus en plus de dépendance. Les pays développés sont de, euh, dépendent de plus en plus. Beaucoup de personnes dans cette salle sont cependant vraisemblablement de pays dé, venant de pays développement. On bénéficie de plus d'outils, de plus de technologies. L'Allemagne a fait un effort extraordinaire pour s'assurer que cette IGF. Puisse réunir des personnes venant du monde entier et que cette IGF surmonte les frontières et inclut des participants qui, d'habitude, ne sont pas là. Nous sommes très heureux d'accueillir ces participants. Cette IGF aussi, ce forum, a fait de grands progrès, mais nous ne pouvons pas nous contenter de ce qui a été fait seulement. Nous devons continuer à avancer, à soutenir une plus grande participation des femmes ou d'autres groupes qui généralement ne se font pas entendre dans ce débat technologique. La principale session est une opportunité très importante pour les parties prenantes et pour les autres groupes pour partager un feedback sur la coopération numérique et sur la recommandation 5A et B sur la coopération numérique mondiale. Cette recommandation dit, et je vais citer, que le secrétaire général devrait soutenir un processus de consultation agile et ouvert pour développer des mécanismes pour la coopération numérique mondiale avec... Les options qui ont été discutées dans le chapitre 4, je cite, nous, nous proposons un objectif initial qui marque le 75e anniversaire de l'ONU en 2020 avec un engagement mondial pour la coopération numérique qui a des valeurs partagées, des principes, des compréhensions et des objectifs communs pour améliorer l'architecture de coopération mondiale numérique. Tout d'abord, la gouvernance de l'Internet, le forum, le forum IGF, permet d'offrir une architecture avec les groupes consultatifs, ainsi que fournir un bureau d'aide et de fournir des résultats concrets et des meilleures politiques pour toutes les personnes qui en ont besoin. Deuxièmement, il faut une un architecture de gouvernance distribuée avec de meilleurs mécanismes qui reposent sur des, une approche de réseau partagé-distribué utilisé par la task force sur l'ingénierie de l'Internet ainsi que l'ICANN et d'autres groupes tels que I3, euh, 3I et d'autres réseaux afin de mieux façonner les normes et les politiques. C'est donc un forum, une forme qui permet de mieux développer les réglementations. Ensuite, il faut parler aussi de l'architecture des biens communs numériques. Nous prenons l'exemple, par exemple, de l'espace du changement climatique, de l'espace maritime, où nous avons des principes, des normes et une coopération et des mécanismes de coopération qui fonctionnent pour faire en sorte que ces espaces soient des biens communs internationaux, où nous avons des bonnes pratiques et des, un dialogue et un cadre réglementaire pour donner quelques exemples de la discussion actuelle sur la coopération numérique. et je voudrais présenter les visions d'environ 500 parties prenantes du secteur privé, de la société civile, des gouvernements. nous avons eu beaucoup de retours de feedback de plus de 100 organismes. et ce qui a été clair, c'est que lorsque nous parlons de cadres pour la gouvernance. Il y a souvent des controverses. Certains ont peur qu'un qu cadre international puisse être abusif, puisse ne pas respecter la liberté, le marché de libre-échange et la liberté d'Internet, que cela puisse être trop intrusif. D'autres groupes aimeraient voir plus de présentation de leur propre approche avec plus de réglementation, notamment lorsqu'on parle de la protection des données. Parallèlement, certains ont peur de l'introduction de la politique internationale et des réglementations. Il y a un. Beaucoup de scepticisme sur la capacité d'avoir un cadre réglementaire international et beaucoup doutent de la bonne volonté et des efforts de, et du travail de ceux qui veulent faire, avoir une telle approche. Je pense qu'il y a des voies différentes qui parfois sont il y a des voies qui sont plutôt minimalistes il y a il y a une approche multilatérale où les plus petites entités qui pourraient mieux gagner d'un cadre réglementaire international et en contradiction avec ceux qui ont peur d'être repoussés par les puissances internationales, les puissances les plus larges. Et je pense que si nous voulons faire des progrès et si vous, nous voulons nous mettre d'accord que des barrières internationales doivent être mises en place, pour faire en sorte de promouvoir et de maintenir un Internet libre, international et sûr. Nous avons besoin d'un travail concerté avec toutes les entités et organismes. Si nous laissons les choses continuer comme actuellement, je pense que le secrétaire général ainsi que d'autres... Euh, responsables et dirigeants du monde des technologies numériques et le, on, on, qui ont fait des prédilections vont voir leurs pires idées sur ce sujet être réalisées. Je pense qu'il faut agir face à l'inaction, sinon nos idéaux vont perdre leur validité. Ce que nous pouvons réussir à faire avec les discussions internationales, avec des compromis, avec des idéaux régionaux et nationaux, mais ce que nous pouvons négocier sera toujours moins que ce que nous pourrions atteindre. Mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas les idéaux, mais que nous avons qui risquent d'être perdus. Mais c'est les frais, tout ce que nous allons devoir subir à l'avenir si nous ne faisons rien. Donc, je pense. Et j'espère que, que nous pouvons utiliser ce forum pour développer cela, pour dévoluer, euh, développer la volonté pour renforcer une architecture internationale. Bien sûr, le développement des recommandations 5A et B seulement ne sont qu'un point mineur dans toute la contribution que nous pouvons apporter pour construire cette architecture. Mais cela étant, je pense que cette contribution reste importante. Nous pensons que la co euh, combinaison des efforts de, lors de l'anniversaire des 75 ans de l'ONU nous permet de voir quelle est la situation, quels sont les défis. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer à l'avenir La coopération internationale peut être rétablie, peut être ravivée pour faire face à ces sujets, à ces problèmes. Et c'est le moment de le faire, de le combiner avec un effort pour revitaliser les efforts, pour réussir à maintenir un Internet sûr, libre et mondial. C'est pour cela que je me réjouis d'entendre vos commentaires maintenant sur cette recommandation. Nous allons tout faire pour ajuster cette recommandation, pour la mettre en œuvre dans le respect des commentaires que nous allons entendre. Nous vous remercions d'être ici. Merci à l'Allemagne encore une fois qui a rendu cette conférences possibles. Merci. Maintenant, j'aimerais bien euh, demander aux organisateurs euh, de nous euh, faire voir les deux transparents, de les afficher sur l'écran euh, pour voir quel est l'agenda pour aujourd'hui et d'avoir aussi... Euh, de nous afficher aussi euh, les passages pertinents du rapport. Donc euh, maintenant, nous allons poursuivre avec, euh, la première session euh, sur justement le rapport du groupe de haut niveau euh, sur la coopération numérique et notamment euh, en ce qui concerne la recommandation 5A et 5B. On s'était mis d'accord sur une approche qui prévoit tout d'abord 40 minutes pour des remarques d'ordre général. Et puis, euh, ensuite, on souhaitait se pencher sur l'architecture et les recommandations euh, en détail. Et pour euh, cette deuxième partie, nous avons prévu euh, environ 80 minutes. Donc, euh, veuillez s'il vous plaît utiliser les micros euh, qui est prévu euh, à cette fin et notamment qui est prévu pour votre groupe de travail indépendamment de votre euh, place. Donc euh, vous allez euh, facilement repérer les différents micros qui sont euh, disposés dans la salle. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Lynn. Tout d'abord, je souhaite remercier Monsieur Hurschild pour ses mots d'introduction. <coughs> J'aimerais euh, vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'être euh, ici euh, auprès de vous aujourd'hui. Euh, comme Lynn l'a déjà dit, euh, je ne suis pas ici euh, en tant que représentant officiel du Brésil, mais euh, euh, je, je travaille parce que je travaille maintenant à Boston et c'est une grande honneur pour moi euh, de pouvoir accepter votre invitation. J'espère euh, pouvoir contribuer à cette discussion parce que pendant de longues années, euh, j'ai fait euh, des expériences euh, avec la gouvernance d'Internet, euh, avec l'IGF et dans d'autres contextes. Vous euh, avez dit euh, à juste titre que le groupe de haut niveau sur la coopération numérique souhaite renforcer la coopération. Il doit être réorganisé, restructuré. Et euh, il est prévu euh, de mettre en place un groupe de travail euh, qui sera consacré à l'approfondissement de la coopération. Nous avons constaté euh, que les résultats étaient plutôt euh, semblables à ceux qui ont vu le jour euh, dans la première configuration qui a, ce groupe de travail a été dirigé par mon collègue. À cette occasion, j'aimerais saisir l'occasion pour féliciter, exprimer mes félicitations à monsieur Anheuser. Vous étiez vraiment la force motrice pour euh, les discussions autour de la, euh, la gouvernance de l'Internet et je suis sûre que vous rencontrerez également un succès dans vos nouvelles fonctions quand vous remplacerez euh, la position qu'a occupée jusqu'à présent l'ENAM. Donc, euh, nous souhaitons vraiment faire le mieux du temps qui nous est euh, mis à disposition. Et on vous invite maintenant de prendre part activement à la discussion. En fait, euh, je ne suis pas très sûre si on l'a déjà fait, mais l'idée euh, euh, initiale a été... Dit que vous vous... Euh, Rassemblez, réunissez un petit peu en groupe, hein, en fonction de votre groupe de travail, pour pouvoir commenter les différents sujets euh, de l'ordre du jour euh, de votre perspective euh, respective. Si c'est pas, euh, si ça s'est fait pas jusqu'à présent, euh, vous, vous avez aussi la possibilité de le faire maintenant. Donc pour la première partie de notre session. Euh euh, on avait pensé que les gouvernements devraient se mettre ici à gauche dans la salle. Donc, dans cette première partie, il s'agit de rassembler des commentaires d'ordre général et pas encore des recommandations concrètes. Donc, ça, c'est l'occasion pour vous de nous faire part de vos messages d'ordre général, de commenter sur les travaux et euh, concernant euh, la coopération numérique en général ou concernant le groupe de haut niveau sur la coopération numérique. Et dans la deuxième partie, nous allons nous concentrer sur concrètement sur les recommandations. Donc, premièrement, j'aimerais euh, euh, inviter les représentants gouvernementaux de participer à la discussion. Euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous prendre le micro qui est à votre disposition. Euh, à droite, puis au milieu, il y a les représentants de l'économie privée. Et puis de l'autre côté de la salle, il y a les représentants de la société civile tout à gauche et puis à gauche donc la communauté technique. Donc je voudrais donc inviter les orateurs qui me font signe. Donc, euh, je, vous vais, je vais vous passer la, la parole à tour de rôle. Euh, mais j'aimerais bien vous prier de bien vouloir être précis, euh, court dans votre présentation. Je sais qu'il euh, y a toujours la tentation de de parler euh, de cette longtemps sur tout ce qu'on a fait mais euh, le temps presse un petit peu c'est la pour laquelle euh, nous devons vraiment respecter le temps de parole qui nous est accordé euh, je vais donc euh, strictement observer les règles qui nous sont imposées et euh, on va donc tous essayer de euh, se limiter donc veuillez s'il vous plaît re respecter le temps de parole de 2 minutes 30 donc, Madame, vous avez la parole. Vous m'entendez Bonjour, je m'appelle Méline Fan. Je travaille pour People Centered Internet et conjointement avec Vince, un des pères fondateurs d'Internet, j'ai fondé cette association. Je voudrais parler au nom de Douglas Engelbart, qui n'est pas présent aujourd'hui, et qui a été Qui a créé un des premiers passerelles sur Internet. Il a décédé en 2013 et il a toujours rêvé, rêvé des différentes possibilités, opportunités qu'on peut créer avec les réseaux. Donc l'histoire et euh, parle pour nous en hein, quelque sorte euh, et les raisons qui ont euh, fait que Internet euh, a vu le jour doivent être, vraiment être respectées. Glaxex a toujours dit que les protocoles sont le chemin à suivre, c'est-à-dire la création de réseaux dans lesquels euh, tous les acteurs peuvent coopérer euh, sur, un base, euh, sur une base commune. Hein. Donc ce sont donc des euh, réseaux sociaux qui devraient être la base de la coopération des prochaines euh, générations. Thomas Schneider du gouvernement suisse. Merci beaucoup. Il y a un très fort écho dans la salle. Tout d'abord, j'aimerais euh, vous remercier d'avoir présenté euh, le rapport et avoir présenté les recommandations concernant l'architecture. Vous le savez, la Suisse soutient ce nouveau format, ce format du groupe de haut niveau et nous pensons que ça, c'est le chemin à suivre pour euh, éliminer euh, euh, les désaccords. Euh, qui existent, qui persistent dans quelques domaines. Je pense que c'est vraiment un processus qui peut nous inspirer euh, sur notre chemin vers un approfondissement, un approfondissement de la coopération numérique. Il est très important dans ce contexte que le rapport mentionne quelques lacunes qui existent dans l'architecture. Tout d'abord, nous devons nous pencher euh, sur euh, la question de savoir quels sont les points sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord. Hein. Et bien évidemment, il faut faire en sorte qu'il y ait également des participants des pays en voie de développement, de tous les acteurs de la société en fait. Et nous avons donc constaté qu'il y a encore des, certains désaccords et par conséquent, nous, il y a une certaine interdépendance entre les différentes disciplines et nous devons poursuivre une approche souple, flexible. Dans une deuxième étape, nous devons nous mettre d'accord sur l'amélioration des différentes fonctions afin d'améliorer la coopération numérique. Parce qu'il est très clair que tout d'abord, nous avons besoin d'un bilan général dans lequel tout le monde peut se retrouver, donc tout, dans lequel tous les acteurs du IGF peuvent se retrouver. Donc il faut vraiment faire en sorte de comprendre quels sont les problèmes desquels nous parlons, parce que c'est uniquement après qu'on peut travailler sur les solutions. Dans un, Prochaine étape, nous avons besoin de réseaux flexibles qui peuvent sur, se pencher sur la solution des, réseaux, des problèmes. Et la recommandation 5 nous présente plusieurs approches. Mais on va en parler plus tard. Merci. Merci Thomas. Donc j'aimerais passer la parole au monsieur au premier rang. Allez-y, vous avez la parole. Vous êtes un représentant de la société civile. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Je m'appelle Andrew Campling. Je suis le directeur d'un cabinet de conseil politique, mais je suis en même temps représentant de la société civile. Je pense que les mots d'introduction ont été d'une très bonne qualité, mais je voudrais quand même souligner qu'il n'y a pas de consensus sur le blocage de euh, sur la nécessité de bloquer certains contenus, comme euh, les contenus pornographiques, par exemple. J'ai participé à une conférence en Singapour la semaine dernière et euh, les efforts de bloquer certains contenus ne sont pas acceptés par certains membres de la communauté technique. Parce qu'ils considèrent que c'est très compliqué, très difficile, même s'il s'agit de contenus pornographiques, de, de contenus de pornographie enfantine. Certaines normes auraient des effets secondaires qui faciliteraient la diffusion ultérieure de ces contenus. Par ailleurs, dans, une, dans un Internet centralisé, euh, il serait encore plus facile pour les entreprises technologiques hein, d'exploiter euh, les données, euh, d'en générer euh, des recettes. Et malheureusement, euh, il y a très peu de participation de la part des responsables politiques dans des forums tels que le IGF. Et euh, par conséquent, par euh, il y a des perspectives très extrêmes par exemple des, des avis très extrêmes euh, qui, selon lesquels il ne faut pas bloquer ces contenus. Donc en tant qu'être humain, il faut vraiment participer activement à ces forums. Donc je vous lance un appel. Le prochain euh, IGF va avoir lieu à Vancouver et je demande donc aux représentants politiques d'y participer et de opposer euh, de faire comprendre à la communauté technologique euh, quelle est leur perspective, quelle est leur position. Est-ce que si ce n'est pas le cas euh, nous allons assister à une tendance euh, de renforcement euh, d'interdiction de certains contenus? Maintenant euh, j'aimerais passer la parole au Monsieur Macquerel. Vous êtes euh, représentant du Royaume-Uni, mais j'imagine que vous représentez un, une autre association. Oui, effectivement. Euh, il y a un an, je devrais avoir, j'aurais dû prendre place de l'autre côté de la salle, mais aujourd'hui, je suis ici parce que je représente le dialogue européen pour la gouvernance Internet et nous allons. Euh, présenter les résultats de nos consultations jeudi prochain à 12h30. Je ne sais pas où, euh, ça, euh, mais dès que nous savons euh, dans quelle salle euh, et à quelle heure euh, cela aura lieu, nous. Euh, vous en feront part. Je veux juste mentionner qu'il s'agit vraiment d'une initiative très importante de l'IGF et, et si vous souhaitez jeter un coup d'œil sur ce rapport, vous allez trouver un résumé des réponses des acteurs et également des gouvernements européens et de certaines institutions européennes telles que le Conseil de l'Europe, la Commission européenne et de représentants de la société civile et aussi de la part de certaines entreprises, vous allez donc les retrouver euh, des copies euh, au centre de Eurodic. Et bien évidemment, vous pouvez également consulter notre site web, eurodic.org. Je ne veux pas anticiper euh, euh, les résultats et la présentation, mais je peux vous dire que les acteurs européens ont, euh, ont beaucoup œuvré en faveur de cette initiative et nous sommes... Euh, nous attendons avec impatience de vous présenter les résultats de ces travaux. Les acteurs ont beaucoup soutenu, soutenu les objectifs et il y a certains résultats qui ont été identifiés. Il y a un grand soutien de la part des acteurs de bâtir une nouvelle structure sur la base des structures existantes pour arriver à un développement plus durable, pour protéger encore mieux les droits de l'homme, pour favoriser le libre flux des données. Donc il y a un, vraiment un grand soutien de la part de ces acteurs pour euh, euh, les grandes lignes, les lignes directrices de ce rapport. L'idée n'est pas d'inventer de nouvelles processus, de nouveaux processus, de faire un double travail. Mais il y a un très grand consensus qu'il faut renforcer les mécanismes existants pour pouvoir relever des défis. Donc ça, c'est un, un, un des résultats principaux. On a pu avoir l'impression que le rapport ne se penche pas suffisamment sur le sujet de la protection de l'environnement. Ce point a été relevé par plusieurs acteurs. Ça c'est vraiment une lacune assez importante et je propose donc que pour l'avenir, il faut respecter, on respecte un peu plus ce, ce point. un deuxième point sans les médias. Les établissements de radiodiffusion euh, européens qui ont très clairement souligné que le rôle des médias n'a pas été pris en compte suffisamment dans ce rapport. Donc, en général, je soutiens donc euh, les travaux réalisés par euh, les Nations Unies. Euh, euh, cette recommandation a trouvé un large écho euh, et nous savons tous, hein, nous nous rappelons tous. Qu'il y avait un chargé spécial pour l'internet, Monsieur Tessin, et c'était vraiment une nomination très importante dans le contexte des Nations Unies. Les acteurs européens souhaiteraient de procéder à une nouvelle nomination, de, de, de mettre en place un nouveau mandat pour une telle fonction, pour mieux coordonner les travaux dans la mise en place des recommandations, c'est-à-dire les acteurs. Les parties prenantes européennes attendent avec impatience la coopération future dans le cadre des Nations unies avec les collègues et ils attendent également avec impatience la mise en place des recommandations. Après, nous allons également faire des commentaires plus spécifiques plus tard dans la journée, également jeudi à 12h30. Merci beaucoup pour ces commentaires. Vous allez avoir constaté que j'ai consacré un peu plus de temps de parole à Marc parce qu'il a parlé d'un processus sur régional qui est certainement très utile pour nous. Mais néanmoins, je vais demander à tous les intervenants de bien vouloir respecter le temps de parole et je ferai de mon mieux de ne pas intervenir de manière trop brutale, mais je le ferai néanmoins si c'est nécessaire pour bien m'en... Euh, bénéficier au maximum euh, de notre discussion. Un collègue du Cuba, vous avez la parole. Bonjour, j'aimerais parler de IGF en plus. Je voudrais euh, seulement faire un commentaire d'ordre général. Nous parlons de la coopération numérique. Hein. Et J'aimerais euh, parler du concept de la coopération. Selon le dictionnaire, la coopération ou oui, le travail en commun avec d'autres sert à atteindre un but collectif. Donc, il n'y aura pas de coopération s'il n'y a pas d'objectif commun. Peut-être, euh, vous me direz que c'est tout à fait évident et clair, mais l'histoire nous montre que... Un grand nombre de tentatives de coopérer ont échoué parce que certains partis euh, étaient tout à fait d'accord avec le statu quo et qui n'ont pas reconnu qu'il y avait des problèmes que les autres partis souhaitaient résoudre. Et ça devrait être le point de départ pour toute forme de coopération. Tout d'abord, il faut vraiment se pencher sur la définition d'un objectif commun. Il faut le faire avec une double approche sur deux niveaux. Tout d'abord, au niveau politique, tous les parties prenantes doivent identifier un objectif commun. Un exemple excellent en est le premier paragraphe, première aléna de la déclaration de Genève sur la société de l'information. Et une fois défini un objectif au niveau politique, hein, il faut hein, en plus définir, euh, identifier d'autres objectifs hein, au niveau technique. Et à ce moment-là, on peut réfléchir sur la mise en œuvre. Euh, merci, Mère Juan. Maintenant, j'aimerais passer la parole à la dame. Voilà, vous veuillez vous présenter brièvement. Je vais parler en français. Et je suis sur FGI Bénin. Euh, cette année, pendant l'école africaine de la gouvernance d'Internet organisée par euh, APC, nous avons travaillé justement sur ces recommandations-là euh, par rapport à ce rapport. Ma question est celle-ci. Quand on prend en compte le contexte africain, où le précédent modèle d'installation de la gouvernance Internet euh, n'est pas totalement encore mis en place dans tous les pays, pensez-vous que nous avons besoin actuellement d'un nouveau modèle encore si le précédent n'a pas fini de faire ses preuves Merci. Euh, merci bien de votre intervention. Euh, je vous remercie. Maintenant, je passe la parole à la dame à ma gauche. Have the floor. Je vous prie de m'excuser, monsieur, c'est vous qui avez la parole. Je vous remercie. Salut, Roman. Je viens du Bangladesh. Du et nous participons donc dans le cadre du forum de la gouvernance de l'Internet. Et j'ai consulté ce rapport. Notre objectif est de le publier également dans le domaine public. Et mon intervention personnelle est la suivante. Où est le plan d'action Comment est-ce que ce rapport va s'appliquer au niveau national. ça, c'est ma première question. deuxième question, comment est-ce que ce rapport va-t-il contribuer à forger l'avenir des médias des, et du secteur des loisirs également pour les différents usagers? donc, telles sont mes deux questions que j'adresse aux membres du panel. je vous remercie. merci. et je pense que les points que vous avez abordés ont certainement été abordés au cours de notre dialogue et je pense qu'ils seront certainement repris lors de la Donc nous avons encore deux intervenants ici. Ensuite, je vais clore la liste d'interventions après ces trois interventions et je vais me tourner vers l'Inde pour passer à la partie suivante de notre réunion qui va se concentrer davantage. Oui, 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 je vais également vous permettre d'intervenir. Mais ensuite ainsi que mon compatriote qui pourra intervenir. Et après, donc après ces quatre demandes d'intervention, nous allons clore la liste. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Vincent Gouillard, du ministre des Affaires étrangères de la France, et j'interviens au nom de l'ambassadeur pour les affaires numériques, Henri Verdier. Et je vais parler en français. Les Nations Unies pour leurs efforts et féliciter les pays sélectionnés pour diriger les travaux à venir sur les recommandations du rapport du panel de haut niveau du secrétaire général. Ce travail est ambitieux, les prémices, les bases qui ont été posées nous semblent excellentes et ce travail est absolument nécessaire. Cependant, comme un certain nombre de gouvernements, nous regrettons que la suite des travaux ait été lancée ces dernières semaines derrière un voile d'obscurité, voire de secret. Nous avons reçu très peu d'informations sur les critères de sélection des champions et ne savons même pas si nous pouvons faire partie d'autant de groupes de travail que nous le souhaitons ou si notre participation doit être limitée. La France, l'objectif de mon intervention n'est pas de demander le leadership d'un groupe de travail sur la France ou sur une recommandation, mais la France, comme vous le savez, déploie une grande activité sur les questions numériques, comme l'a montré l'IGF 2018. Nous aurions apprécié être informés directement de la suite des travaux sur le rapport, plutôt que d'en entendre parler par hasard, comme cela s'est fait. Mais l'important, ce n'est pas les sentiments de la France, ce n'est pas le sentiment des États en tant que partie prenante. C'est, à notre sens, de conserver l'excellente réputation de ce rapport et la forte dynamique qu'il a lancée. Pour y parvenir, nous pensons que nous devons travailler dans la transparence et la confiance. Or, la confiance, malheureusement, est une ressource... Euh, de plus en plus rare sur Internet. Nous devons la renforcer, nous devons la restaurer. C'est l'un des buts du rapport du panel de haut niveau. Et pour cela, nous pensons que nous devons être exemplaires, faire preuve de transparence et de confiance les uns dans les autres. Je vous remercie. Euh, merci bien de votre intervention. Et, et je dois dire que je pense que cette session, euh, je pense qu'un des objectifs est justement de... Donner l'opportunité aux représentants du secrétaire général d'expliquer euh, le processus et d'expliquer de, euh, exactement comment cette session va euh, s'insérer dans le processus qui a été lancé. C'est ma, ma compréhension de ce qui se passe ici. Mais on va avoir l'opportunité d'écouter le secrétariat euh, en du temps. Uh, now to, uh, et je passe à présent. À monsieur, dans l'allée principale, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que l'organisation à laquelle vous appartenez? Merci, Monsieur Fasega. Je suis un consultant indépendant, et je travaille en fait au sein d'IGF, et je travaille à IGF+, Plus et je ne suis pas là pour en faire la promotion, mais peut-être que... Il s'agit en fait de la mise en place de normes pour Internet qui permettraient de rendre le monde plus sûr si l'industrie mettait en place ces différentes mesures. Donc, c'est ce qui se fait et j'aimerais faire la promotion de la séance qui aura lieu à 13h jeudi dans la salle numéro 3. Ce que l'on pourrait faire en quelques mois de travail, c'est d'avoir des recommandations, des euh, projets de recommandations qui se concentrent sur les GF, donc pas d'avoir des présentations, mais d'avoir des séances de travail pour travailler sur des actions, sur la façon de faire en sorte que ces recommandations soient mises en œuvre hein, et de savoir quelles sont les personnes qui devraient être incluses. Et sur la base de ces recommandations, vous verrez qu'il y a différents groupes de parties présentes qui n'ont jamais été présentés au sein de l'IGF, mais qui devront être présents si ce déploiement doit se faire hein, dans le domaine de l'éducation, de l'industrie, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui montre qu'avec un modèle de l'IGF Plus pourrait fonctionner car cela a toujours été ma conviction personnelle à savoir que nous avons tous ces esprits absolument brillants dans une salle pendant trois quatre jours et ensuite ils s'échappent une fois que les GF s'achèvent et que l'on n'utilise pas en fait ce potentiel pour coopérer entre tous ces différents silos et les portes entre différents silos doivent être ouvertes pour pouvoir résoudre les problèmes complexes de l'internet je vous remercie de cette opportunité j'espère tous vous voir donc lors de la séance de jeudi merci de cette intervention et je vais passer à présent la parole à mon ami et collègue Raoul Echeverria Merci monsieur l'ambassadeur Benedicto J'aimerais faire un commentaire sur la chose suivante. J'ai déjà soumis mes commentaires dans le cadre du processus de consultation et je vous remercie de l'avoir mis en place. Je pense qu'il faut que nous voyons que les modèles qui sont proposés ne sont pas exclusifs et je pense que plus n'est pas une option, c'est un impératif. Mais dans les deux autres modèles, il y a différents éléments qui sont très intéressants et qui pourraient être complémentaires de l'IGF. Donc, il faudrait voir quels seraient les éléments qui pourraient être utilisés pour améliorer l'écosystème. Donc, je vais être très bref car nous avons peu de temps à disposition. Mais un aspect important est que lorsque nous avons créé l'IGF en 2005, nous avons créé l'IGF comme étant la pièce centrale de l'écosystème de la gouvernance d'internet. mais le status quo, et je pensais d'ailleurs à ce que juan fallas a dit, rien n'évolue aussi rapidement qu'un status quo, car le status quo change chaque minute sur le terrain, bien entendu. c'est la raison pour laquelle lorsque nous disons que nous souhaitons maintenir un status quo, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, car il évolue constamment. mais le contexte a considérablement changé à présent, il y a des centaines de forums, de petits, moyens, grands forums, de personnes, de pays, de parties prenantes qui se réunissent pour discuter de différentes choses. nous ne pouvons pas ouvrir en fait un petit bout de quelque chose. il faut que nous travaillions à la chose suivante. il s'agit de l'interconnexion entre ces différentes pièces et l'igf n'est pas forcément la pièce centrale de cet écosystème mais la pièce fondamentale en fait de cet écosystème et c'est la raison pour laquelle il y a des propositions, il y a différents modèles qui sont complémentaires les uns des autres pour atteindre l'objectif qui a pour objectif bien entendu de faire que ce système fonctionne et que les choses soient beaucoup plus interconnectées et informelles et il s'agit de faire fonctionner les choses et de permettre aux parties prenantes de pouvoir participer de manière pertinente. Merci. Et je passe, à Monsieur Oberto, vous avez la parole. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je suis Glad Ocado et je travaille avec la société pour l'internet et nous contribuons essentiellement à ce rapport, mais également par le passé et nous avons donc contribué à l'élaboration, mais également ultérieurement à la mise en œuvre de ce rapport, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas parler de ce rapport de manière générale, mais invité toutes les personnes ici présentes à le lire. Brièvement, concernant trois commentaires que je souhaitais faire aujourd'hui. Tout d'abord, nous apprécions que le rapport reconnaisse que la coopération numérique et que les mécanismes de coopération doivent être global, multi-acteurs, agiles et soient en mesure de réaliser des numériques pratiques et les, la Société pour l'Internet est parfaitement d'accord car l'amélioration numérique peut être améliorée, ces différents mécanismes numériques peuvent être améliorés et doivent être améliorés d'ailleurs, mais la, les processus collaboratifs restent la meilleure façon de procéder lorsqu'il s'agit de termes technologiques. Deuxième élément que je voudrais mentionner. Au lieu de créer de nouveaux mécanismes, nous sommes convaincus que renforcer l'IGF est la meilleure façon de procéder. C'est la recommandation qui a été faite avec l'IGF. Nous allons aborder les recommandations intérieurement. Donc, nous souhaiterions avoir juste des commentaires généraux. Oui. Concernant la discussion que nous suivons, à savoir qu'il s'agit de la. Coexistence entre l'approche multilatérale et multipartite. D'autant, faisant les deux, il y a un risque que vous fassiez des compromis qui pourraient déboucher sur des résultats plus négociés. Et en tant que communauté, c'est quelque chose que nous devrions aborder. L'autre suggestion est d'avoir une fonction distincte pour l'IGF. Pour avoir des résultats plus pratiques, plus tangibles, comme le rapport l'a mentionné d'ailleurs. Donc, il s'agit d'identifier un certain nombre de thèmes à suivre et d'avoir un véritable suivi de celle-ci. Il y a de très beaux exemples également pour illustrer la chose, notamment les différents processus de transition. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci Raquel. Il fallait que quelqu'un soit la dernière personne à intervenir et je vous remercie tous de votre participation. Je vais vérifier éventuellement s'il y a éventuellement une participation à distance. Où est l'animateur en charge de l'interface? Y a-t-il quelqu'un à distance qui souhaite intervenir? Ce n'est manifestement pas le cas. Donc, sur ce, nous allons clore la première partie. Nous allons passer à présent à Lynn pour la partie suivante de notre intervention. Je ne sais pas si elle va être particulièrement juteuse, mais bon, nous verrons. On l'a vu dans les différentes interventions, à savoir qu'il s'agit ici d'avoir une discussion vraiment concrète. Et si vous soumettez des commentaires, ce n'est même pas la peine de vous lever ou de les synthétiser. Vous pouvez aborder directement les choses que vous estimez importantes ou les choses qui pourraient être utiles vu les objectifs que nous avons mis en avant. Eh bien, ce serait une bonne façon de faire avancer la discussion. Et je suis convaincu que ça nous permettra d'évoluer vers des éléments concrets qui permettront de faire avancer le processus. Donc, pour leur avenir, nous allons nous concentrer sur le transparent que vous voyez à l'écran, à savoir les différents modèles et les principaux éléments abordés concernant l'IGF. Et nous allons passer, bien entendu, aux recommandations 5A et 5B, à savoir d'avoir un envoyé technique également qui devrait être mise en place. Donc la parole est à vous et vous avez la possibilité de participer en ligne également. Donc l'objectif c'est que vous puissiez être entendu. C'est également l'occasion également de dire qu'il y a également une enquête qui a été réalisée. Et vous avez la possibilité également de faire des propositions, des commentaires, et pas uniquement d'ailleurs dans le cadre de cette session, mais également lors de toutes les sessions qui vont être organisées au cours de la semaine. Comme Raoul l'a dit, le rapport que nous avons fait dans le cadre des différents processus régionaux, mais également au niveau du secrétariat général il y a eu beaucoup de soutien pour cette igf plus. et ce serait certainement intéressant donc d'entendre également quelles sont les autres approches donc une fois plus dans l'esprit de l'igf il s'agit d'une discussion ouverte et en même temps nous souhaiterions bien entendu être en mesure de parvenir à des progrès concrets Donc cette partie de la séance a pour objectif de se concentrer sur le thème de l'IGF+, et en particulier sur les quatre éléments principaux. Et nous allons animer cette séance avec Monsieur l'ambassadeur. Je vais certainement faire euh, la première partie de la présentation, et euh, Monsieur l'ambassadeur va être là sur le 5a et le 5b. Euh, en fait, les, les micros sont tout petits, manifestement. C'est le plus petit que j'ai jamais vu lors des séances de l'IGF. des personnes se lèvent. Donc, je vous en prie, présentez-vous ainsi que le groupe auquel vous appartenez. Vous avez la parole. Merci. Finn Pedersen du gouvernement danois. Donc, le Danemark a pris connaissance du rapport et salue cette approche multipartite pour améliorer la coopération numérique. Et le Danemark soutient activement les processus multipartites et la coopération multipartite afin de garantir un Internet qui soit sûr, ouvert, fiable. Et le Danemark est convaincu également qu il s'agit ici de maintenir ici le rôle leader joué par l'IGF ainsi que les autres forums multipartis tels que l'ICAN. Et nous soutenons également l'initiative de renforcer également l'IGF, à savoir ce modèle IGF+. Tout d'abord, pour nous, il est essentiel de garantir le financement et le soutien du secrétariat de l'IGF. Deuxièmement, nous soutenons également le transfert des responsabilités de l'IGF au Bureau des Nations Unies et de son Secrétaire général, avec la nomination d'un envoyé technologique. Et il y a également, également la nécessité de la participation des autres entités au sein de l'IGF, et notamment du pays du Sud outre les gouvernements et les autres organismes déjà présents. L'IGF devrait continuer à être un forum dans le cadre desquels de nouvelles thématiques liées à l'Internet puissent être abordées dans le cadre d'un processus de bas en haut. Et il est important pour le Danemark que l'IGF continue à être un forum dans lequel des décisions puissent être prises, mais il y a un besoin croissant, bien entendu, de manière plus efficace de collaborer les uns avec les autres afin de garantir qu'il y ait une attention accrue qui soit portée sur les thèmes les plus pertinents, par exemple, en développant des meilleures pratiques et d'avoir davantage de discussions basées sur les preuves. Et de mettre en place également une approche plus coordonnée concernant l'établissement de l'ordre du jour afin de se concentrer davantage sur les thèmes principaux. Enfin, nous devons tous travailler plus étroitement les uns avec les autres en abattant les différentes cloisons entre les différentes communautés et les différents continents afin de lutter contre la fragmentation et de garantir qu'Internet continue à être un bien commun pour tous. Et nous nous réjouissons qu'il y ait un dialogue à venir avec les différentes parties prenantes afin de développer une architecture efficace pour une coopération numérique internationale afin de garantir un IGF encore plus fort, le modèle IGF. Plus. Je vous remercie. Merci. Ce que nous allons faire au cours de cette séance et après cette séance, parce que bien entendu, il va falloir que nous définissions plus clairement ce que nous souhaitons faire. Et par exemple, eh s'il a cet envoyé technologique, eh bien, il va falloir déterminer quelles sont ses compétences et dans quelle mesure est-ce qu'il va être inclus en fait, dans l'ensemble du processus. Donc lorsqu'on va réfléchir à cela. Lorsqu'on va redéfinir nos définitions, eh bien, il va falloir comment nous allons pouvoir avancer, même si nous n'avancerons certainement pas aussi rapidement que certains d'entre vous le souhaiteriez. Donc, vous avez ici, bien entendu, une réflexion à avoir ici. Bonjour, bonjour à tous. les Cancio, de l'Office suisse de la communication, l'Office fédéral, et nous allons reprendre ce que M. l'ambassadeur Thomas Schneider a déjà présenté au préalable. Comme vous le savez, et Fabrice Roltschneid le sait d'ailleurs, nous avons participé étroitement aux différentes discussions qui ont été menées et nous avons soutenu d'ailleurs Tony Stottard, notre ancien président, dans le cadre du groupe de travail et le groupe de travail propose, en tout cas de notre point de vue, on pourrait dire d'ailleurs... Trois goûts d'une seule et même glace, car au bout du compte, ce que le groupe propose avec ses différents modèles d'architecture, c'est de répondre aux fossés, aux lacunes que nous avons identifiées dans le cadre de la gouvernance numérique et dans les différents accords déjà en place. Et ces lacunes ont déjà été mentionnées au préalable par Thomas. Et la réponse, au bout du compte, c'est que quel que soit le nom que l'on donne à ces trois différents modèles, eh bien au bout du compte, il s'agit d'améliorer le suivi de la discussion que nous avons dans le cadre des forums internationaux, notamment l'IGF, qui est le principal forum mondial, dans le cadre duquel nous avons des discussions sur la politique numérique. Donc, il s'agit d'avoir un suivi ici. Il s'agit également d'avoir une coordination qui nous permette de trouver des réactions aux différents défis auxquels nous, nous sommes confrontés après les différents événements qui se sont produits à Paris ou à Christchurch. Et donc, d'avoir ces différentes discussions ensemble et d'avoir des actions et que ces actions soient prises non pas en dehors de l'IGF, mais au sein de l'IGF. Et nous avons bien entendu également besoin de soutenir et d'aider toutes les communautés des parties prenantes afin qu'elles trouvent les moyens d'accéder aux bons processus, aux bons interlocuteurs, aux bonnes informations grâce à un observatoire ou euh, un service d'assistance. Donc, il s'agit d'améliorer également le, la mise en réseau entre les différents responsables politiques et d'arriver à un meilleur résultat grâce à cette coordination. Et d'avoir également un observatoire qui soit fort. Et la, la Suisse est disponible et prête à soutenir ce processus. Nous avons lancé en 2014 la plateforme Internet de Genève qui tente d'offrir de nombreux de ces outils en tant qu'observatoire, en tant qu'un réseau de soutien pour les diplomates de GDF, mais également pour les diplomates à New York et les diplomates à Bruxelles et dans le monde entier, à tous les parties prenantes intéressées par la politique numérique et nous continuerons à le faire. Et je vous prie de m'excuser pour avoir dépassé le temps qui m'était imparti, mais comme il n'y a pas d'autres personnes en train de faire la queue et que moi, demandé des propositions concrètes, eh bien nous sommes prêts à continuer à travailler sur cette voie-là. Et bien entendu, nous sommes également disposés à continuer à travailler dans le cadre d'une consultation continue à Genève, avec bien entendu également la présentation de l'EGF de 2020. Je vous remercie. Merci, Roé. Je vois également une autre personne s'approcher du micro, mais j'aimerais également corriger les autres personnes ici présentes de s'approcher car l'IGF a écouté également des commentaires et des suggestions qui ont été faites. Il s'agissait des efforts, notamment et également des efforts qui avaient été faits par le. STD également, nous avons organisé différentes enquêtes notamment et nous avons essayé vraiment de mettre en œuvre d'améliorations avec des, la mise en place des meilleures pratiques notamment ou de synthétiser également les messages clés avec également euh, l'IGF qui avait été organisé en Suisse il y a deux ans également. Donc l'objectif, c'est de raméliorer également les rapports que nous établissons et nous essayons véritablement de faire davantage et ce dont nous avons besoin, c'est davantage d'idées et davantage de soutien. Et le soutien c'est la participation et très franchement nous avons besoin d'un davantage de soutien financier car ce n'est pas un secret nous sommes financés à 40% ce qui avait été prévu dans les budgets ça a un impact bien entendu sur le niveau de personnel que nous pouvons mettre à disposition du secrétariat et vraiment ils ont un travail considérable à faire et c'est vraiment l'obstacle principales ou des obstacles principaux à la réalisation de, de notre travail, car nous avons énormément de travail, mais nous avons besoin davantage de soutien, de participation, mais également de financement. Et donc, mais et ensuite, j'encourage bien entendu toutes les personnes qui participent en ligne également de se lever et de prendre la parole. Merci beaucoup, Lynn. Théma Schutter. Je travaille pour la Chambre internationale du commerce. C'est un organisme qui représente 45, 5 millions d'entreprises. Pardon, il y a un petit problème de micro. Donc, nous accueillons la possibilité de pouvoir participer au travail du groupe de travail, mais également de cette communauté multipartite et de travailler également aux recommandations du groupe de travail sur la. Sur la gouvernance de l'Internet. Il est important, bien entendu, de maintenir cette culture de coopération dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Il est important, bien entendu, qu'il y ait une approche multipartite, de basante et transparente. Et nous pensons également que le modèle IGF, tel qu'il a été décrit dans le rapport du groupe de travail, est idéal pour la mettre en place de tels modèles de gouvernance. Cela permettrait également que les institutions et le profil de l'organisme soient améliorés et que l'on ait une meilleure communication du travail qui est réalisé au sein de l'EGF, donc notamment les résultats que l'on trouve notamment dans les archives. Et nous avons besoin d'un effort concerté pour sensibiliser au travail réalisé par l'IGF. Il est important que ce soit fait également grâce aux différentes ressources existantes. Par le passé, l'IGF a bénéficié d'une représentation de haut niveau avec un conseiller spécial auprès du secrétaire général des Nations unies. Et cela permet, bien entendu, d'avoir une voix et de pouvoir se battre également pour l'IGF et il y aurait la possibilité bien entendu d'avoir une personnalité qui pourrait être sélectionnée pour occuper ce poste. L'interactif pour améliorer également la visibilité de l'IGF pourrait être envisagé notamment et également de mettre... Le forum, c'est l'égide du secrétaire général des Nations unies, car l'IGF fournit déjà énormément de documents, des documents écrits, mais c'est également ce dialogue multipartite également en tant que tel qui fournit également des résultats très précieux et cela permet d'avoir ainsi des synthèses des échanges qui ont lieu ici. Cela permet également de capter et de promouvoir également ces échanges et ce faisant, cela permettrait d'améliorer euh, la portée du travail réalisé au sein de l'ECF et cela, il y a également donc les différentes structures qui sont proposées qui pourraient être également la possibilité d'avoir une meilleure captage et retenue en fait de la. Des contributions très valables qui sont réalisées au sein de l'IGF, comme ça a été le cas de ces 14 dernières années. Et, et j'aimerais soutenir le remarque qui avait été fait par notre commentaire du Danemark ainsi que ceux de la présidente, à savoir que nous avons également besoin d'efforts pour pouvoir élargir la base financière de l'IGF. C'est essentiel pour permettre au Forum de pouvoir développer les mécanismes excitants, mais également pour réaliser les fonctions qui sont nécessaires dans le cadre d'un cadre. Intergouvernement tel qu'il a été décrit dans le cadre de ce modèle IGF. Je vous remercie. Je suis désolée d'avoir dépassé le temps qui m'était imparti, mais j'espère pouvoir travailler avec vous et faire en sorte que ces objectifs puissent être réalisés. Merci, Téméa. Wolfgang, vous avez la parole. Merci, Lynn. Wolfgang Kleinwächter. Je suis membre de la Commission sur la sécurité et le cyberespace et comme Raoul, j'étais membre également du groupe de travail des Nations Unies sur la gouvernance de l'Internet qui a créé l'idée d'avoir en fait un forum sur la gouvernance de l'Internet et c'était il y a 15 ans et je me rappelle les discussions que nous avions eues à l'époque, notamment en ce qui concerne les gouvernements et les différents guides qui étaient présents parce que les gouvernements souhaitaient avoir un organisme qui soit en mesure de prendre des décisions et les représentations de, de, de la société civile étaient d'avant de prendre des décisions, eh bien, il fallait comprendre la complexité des différents thèmes. Et c'est la raison pour laquelle qu avant que les, les décisions soient prises, il faut que vous ayez une discussion ou un forum de discussion large. Et cela a été le point de départ en fait de l'IGF. Il y a 15 ans encore, il n'y avait qu'un nombre limité d'organismes qui avaient cette capacité de prise de décision, de capacité décisionnelle en ce qui concerne l'Internet. Et les choses ont changé à présent. Et nous avons plus d'une demi-douzaine, ou une douzaine, en fait, de gouvernements ou d'organisations gouvernementales qui travaillent sur les thématiques de l'Internet dans le domaine de la sécurité. Vous avez le GTE, vous avez les différents groupes de travail qui se penchent également sur les systèmes d Autonome dans le domaine économique également. Nous avons l'organisation de négociation du euh, commerce international et nous avons également un autre comité dans le cadre de l'Assemblée générale qui a créé un autre organisme intergouvernemental pour la cybercriminalité. Et ce que nous constatons à présent, c'est que nous avons en fait le chaînon montant entre les discussions qui ont lieu ici et les organismes décisionnels qui sont plus ou moins, en fait, quelques personnes l'ont déjà mentionné. Qui sont assis dans leur propre silo. Et c'est la raison pour laquelle je suis ravie de cette proposition de l'IGF et en particulier avec l'accélérateur de coopération. Car ce qu'il pourrait être mis en place, c'est d'avoir un meilleur lien, une meilleure mise en liaison entre la plateforme de discussion au sein de l'IGF et les plateformes de prise de décision et les différents organismes intergouvernementaux. Donc, pour pas envoyer en fait un message de la part de l'IGF directement vers des organismes de prise de décision et d'inviter les présidents des organismes de délégation de faire un rapport en fait devant l'IGF, à savoir de présenter quels sont les résultats de délégation et qu'il y en ait un processus de discussion qui soit fait dans un environnement multipartite. Et cela aiderait à produire davantage de résultats durables et de clore véritablement ce fossé entre la les discussions et la prise de décision, à savoir que cet accélérateur de coopération serait à mon sens en fait un mécanisme de distribution qui permettrait ensuite d'être réalisé au sein de l'IGF-PLEP. Merci, merci Wolfgang. Merci. Avant de continuer, je voudrais vraiment vous demander de ne pas parler plus longtemps que deux, deux minutes et demie, sinon nous devrons faire plus que deux minutes ou même une minute et demie pour avoir le temps que tout le monde puisse prendre la parole. Merci beaucoup. J'étais aussi membre euh, il y a 15 ans. Une des questions maintenant, c'est est-ce que cette approche multipartite aura du succès Je pense qu'en en effet, en partie, mais généralement non. Parce que ce que nous n'imaginions pas au départ, mais ce que nous voyons maintenant, c'est le manque de réglementation qui a permis à de grandes entreprises de concentrer qui sont concentrés à certains endroits du monde, d'avoir une sorte de monopole. Et souvent, les points ne sont pas discutés avec une approche multipartite, et même avec d'autres personnes simplement. J'étais donc membre de groupes de travail, et cela donne quelques exemples de la façon dont les grandes entreprises technologiques continuent à avancer sans et lorsque cela crée des problèmes politiques et de réglementation. Peut-être que on pourrait améliorer les choses mais à la fin, j'ai peur que vous avez besoin de quelque chose de différent pour continuer à conserver les parties prenantes qui sont plus puissants. Il faut aussi, cependant, défendre l'intérêt mondial et pas seulement l'intérêt de certaines grandes entreprises. D'un point de vue européen, l'Europe a eu une influence grâce au règlement général de la protection des données RPDG. RGDP, oui. Mais je pense que la réglementation, c'est le seul domaine où en Europe, nous sommes vraiment particulièrement bons. J'espère que nous aurons plus de réglementation en Europe afin de protéger une certaine souveraineté pour les citoyens européens sur l'Internet, au moins pour la sphère européenne. Les défis seront d'interagir et d'avoir plus d'influence que par le passé. Bien sûr, je pense que l'IGF, peu importe sa forme, travaille dans ce domaine. Mais parallèlement, nous ne devons pas croire que cela suffit. Et je pense que les réglementations permettent d'améliorer Internet. Merci beaucoup. Merci, Victorio. Maintenant, Marc Ravel va prendre la parole. Et je pense aussi qu'il y a un hub du Nigeria qui veut, une personne qui veut prendre la parole de ce hub, de cette plateforme. Marc, déjà, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marc Ravel. Oh, well. Je travaille du point de vue consultatif avec Eurotique. Je voudrais parler de la recommandation 5A et 5B. Le consensus général entre les parties prenantes était de soutenir le modèle de l'IGF ⁇ mais il y a des coopérations sur la mise en œuvre pratique des biens communs numériques et d'une approche commune. Comment peut-on... Le mettre en œuvre dans un environnement numérique qui change sans cesse face à des nouvelles politiques, des nouvelles réglementations, les biens communs numériques sont une expression que nous devons soutenir. Maintenant à propos de l'IGF, nous soutenons les principes d'un accélérateur de coopération. Mais nous devons réfléchir aussi à la force de l'IGF et de son mandat original comme plateforme de dialogue qui traduit des problèmes pour certains organismes, qui met en place des bonnes pratiques. Nous avons besoin de renforcer ce modèle, l'incubateur de politique, l'accélérateur de coopération. Ces organismes doivent. Est On doit développer les détails, la logistique dans, sur une structure intercessionnelle de l'IGF. Beaucoup de personnes disent qu'il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'outils, beaucoup d'informations qui sont disponibles sur les mécanismes existants. Il y a un risque de créer une nouvelle structure, un nouveau bureau d'aide qui répète un peu ce qui existe déjà. Mais nous devons quand même y faire attention. Mais comme je l'ai dit auparavant, il y a un représentant, un envoyé technologique. Et nous voulons une approche holistique qui inclut toutes les parties prenantes dans le monde entier, dans le cadre de la recommandation 5B, pour s'assurer que toutes les... Vision de ce processus soit représentée. Je pense que c'est le processus que nous devons soutenir. Merci, merci Marc. Cela était très intéressant et très concret. Maintenant, je vais me connecter à la plateforme à distance du Nigeria et j'aimerais rappeler à tout le monde que nous avons aussi des initiatives IGF, régionales, nationales, locales. Et nous en avons peut-être 17 ou 18 actuellement. Il y a différents mécanismes et nous devons voir ce que nous pouvons utiliser. Et ces plateformes sont locales, elles sont multipartites, elles parlent de leurs conditions locales, de leurs besoins locaux. C'est pour cela que nous invitons à tout le monde à réfléchir à la façon dont nous pouvons travailler avec ces initiatives pour atteindre nos objectifs. Anya, comment nous pouvons faire en sorte d'être lié avec la plateforme à distance. Merci. Voilà, je suis Lorenz. Je représente le secteur privé et les individus. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'organisme et le panel pour ce travail extraordinaire et pour aussi faire en sorte... Que tout le monde prenne part à ce processus. Une des questions qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment les petites entreprises à une échelle mondiale peuvent mieux être coordinées pour contribuer à ce processus. Ces, ces entreprises, cette entreprise, atteint des milliards, si on parle en termes de nombre. Mais je voudrais aussi avoir une contribution sur les entreprises, sur le travail régional. Comment nous pouvons avoir une meilleure contribution issue de divers domaines, afin que nous ayons plus de diversité. Il est vrai que les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, et ont un autre système de fonctionner, il y a des défis auxquels nous devons faire. Nous devons faire en sorte de mieux faire face aux défis d'une perspective personnelle. Nous devons aussi travailler à l'IGF, et faire en sorte d'avoir l'opportunité de continuer à prendre part à cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence, pour ces apports clés dans le contexte local. En effet, nous devons nous concentrer sur les petites et moyennes entreprises qui peuvent participer à ces discussions et ont beaucoup à apprendre aussi. Maintenant, voilà, nous allons continuer. Vous avez la parole. Merci Lynn. Je représente la communauté technologique allemande. Et je voudrais parler de deux points. Renforcer la coopération et l'IGF. Je pense au modèle IGF. Il y a plusieurs recommandations que j'aimerais répéter parce que cela aide la discussion d'un point de vue pratique. Je pense qu'une des choses qui est apparue... Et, que, et cela est quelque chose qui est mené par la communauté IGF, donc c'est la communauté qui parle. Nous avons besoin de plus de force de direction, de plus de leadership. C'est-à-dire qu'il faut regarder les grands sujets et en débattre dans le cadre de l'IGF et non pas seulement dans certains ateliers, mais aussi il faut créer des recommandations car nous devons continuer l'année prochaine sur ce sujet. Et il faut faire aussi en sorte qu'il y ait une, une fonction de liaison avec les autres organisations Internet et avec le MAG, le groupe donc de travail, faire en sorte que ces organisations sont toujours présentes, euh, à, proposent de nouveaux sujets, échangent sur ces sujets. Il faut aussi parler aussi des groupes de travail qui se préparent, mais aussi travaillent lors de l'IGF dans une salle et qui présentent une solution, une recommandation, un plan d'action. Et ce n'est pas seulement quatre personnes qui sont sur une scène et qui parlent d'un sujet, mais c'est l'idée d'apporter des solutions concrètes qui sont visibles et qu'on peut mettre en œuvre. Il faut aussi avoir une approche plus tournée vers les solutions, non seulement en matière de loi, de réglementation, mais aussi de grande direction. Dans quelle direction devons-nous aller Comment avancer afin de pouvoir aussi apporter ces solutions point dans la discussion, car les parties prenantes ne sont pas toujours toutes ici lors de l'IGF. Il faut aussi réfléchir à la façon dont nous pouvons faire quelque chose de différent, quelque chose que nous n'avons encore jamais fait. Comment est-ce que cela peut être une source d'inspiration pour tout le monde, pour le monde, le monde qui vient à l'IGF, qui est présent, et aussi pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'être ici. Enfin, dernier point, comme Lynn l'a dit, pour toutes les personnes qui sont ici, si l'IGF est aussi importante que nous le disons, comme nous l'avons dit, dans ce cas-là, il faut le financer. Sinon, tout cela ne va jamais être mis en œuvre. Nous parlons encore de 2025, quand nous, le mandat de l'IGF prendra fin et que nous aurons besoin d'un autre mandat. Il faut montrer que l'IGF a une valeur supplémentaire. Et nous avons encore six IGF pour réaliser ce que nous n'avons pas encore fait ces dernières années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lynn. Raoul dans le cadre de l'IGF, nous avons des résultats chaque année et les résultats de l'IGF qui devraient être visibles sont les bonnes pratiques, les principes, et des réglementations et des grandes lignes générales pour faire face aux plus grands défis auxquels nous devons faire face. Certaines choses ont déjà été faites, mais nous avons besoin de plus de travail travail international pour aider tous les toutes les parties prenantes à s'engager dans le développement de solutions et dans les discussions lors des différents ateliers. Nous avons besoin donc de la participation de beaucoup plus de personnes et de nous devons travailler de façon intersectionnelle. Nous pouvons contrôler certains éléments avec nos décisions. Il y a des choses qui, de toute façon, vont se produire. Alors que nous parlons, il y a un groupe de représentants des gouvernements, de parties prenantes qui se rassemblent, qui parlent de la protection des données, de la cybersécurité, des accords, de l'intelligence artificielle, de l'éthique. Mais il y a aussi d'autres groupes qui ne savent pas. L'IGF existe. Il ne participe pas à l'IGF. J'en ai déjà fait l'expérience en travaillant à, avec d'autres groupes, car j'ai dû leur parler de l'IGF. Ils ne connaissaient pas l'IGF. Ils faisaient des choses, cependant, des, ils menaient des discussions, par exemple, qui parlaient des normes et qui ont une influence sur les mêmes sujets que ceux dont on parle ici. Donc, lorsque on parle ici, je pense que nous avons besoin de cet accélérateur de coopération pour faire en sorte de mieux coordonner tous les groupes, toutes les parties prenantes qui travaillent sur différents points et qu'ils puissent travailler ensemble, qu'ils puissent coopérer. Et cet accélérateur de coopération, pour moi, est une bonne idée. Mais nous devrions partir de la base que nous ne pouvons pas dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire. Beaucoup de personnes travaillent déjà sur la politique, notamment dans le cadre de l'incubateur de politique. Nous avons besoin donc d'une coopération intersectionnelle avec tout le monde, afin que tout le monde puisse travailler ensemble, s'assurer que nous voyons toutes les, toutes les perspectives, tous les points de vue lorsque nous développons, nous développons des règlements. Nous pouvons proposer avec certains groupes, des politiques, mais nous devons faire attention qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas l'IGF actuellement, mais qui travaillent sur les mêmes réglementations. Nous devons mieux donc coordonner tous ces éléments. Merci. Merci Raoul, c'est un bon, bon élément. Peter Maecher, vous avez la parole. Merci Lynn. Je voudrais juste reparler de ce que vous avez dit sur les IGF nationales et régionales. Je suis fière de vous dire que nous avons eu la pre le premier IGF en Hongrie en septembre. Maintenant, pour revenir au sujet principal, nous avons eu la, pre la euh, conférence régionale de la Commission de la science et de la technologie au service du développement, CSTD. Et nous avons eu de très bonnes di euh, discussions. Et j'espère que lors de la session annuelle, de la conférence annuelle en mars, les États membres vont présenter des rapports consensuels sur les résultats de la coopération numérique. J'espère aussi que nous pourrons inclure un projet de résolution pour ECOSOC. Wolfgang l'a déjà dit à parler des aspects que nous devons prendre en compte pour avancer et de ce qui a été déjà proposé pour les ODD. On ne voit pas clairement dans le cas des ODD les technologies de la formation et de la communication, les TIC, mais il y a beaucoup de groupes d'experts et d'agences spécialisées qui ne prennent pas toujours des décisions, mais comme Wolfgang l'a dit, qui présentent des recommandations. J'ai donc une suggestion. Le résultat de ces groupes d'experts doit être inclus dans la discussion de l'IGF ⁇ L'IGF ⁇ doit présenter des recommandations qui vont être évoquées dans le cadre de la CSTD. Cela peut être transmis à ECOSOC, par ECOSOC, à l'Assemblée générale commune. Et nous pouvons enfin avoir des résultats communs, des recommandations et des résolutions. Donc si nous voulons faire en sorte que tout le processus dans l'ONU fonctionne, c'est une façon d'avancer. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole à la place de Lynn. Nous continuons à garder le même ordre des interventions. Maintenant, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter et l'organisation à laquelle vous appartenez Merci, monsieur l'ambassadeur. Je m'appelle Deborah Brown. Je travaille pour une organisa organisation pour la société civile. J'espère que je suis au bon micro ici. Tout d'abord, j'aimerais féliciter ce groupe de travail pour tout son travail et pour l'approche constructive. Il y a beaucoup de propositions dans le rapport qui soutiennent et renforcent l'IGF et sa fonction, mais pour nous, il y a encore un grand nombre de questions qui n'ont pas encore été résolues. Par exemple, les financements pour financer le modèle de l'IGF ⁇ Actuellement, l'IGF a déjà du mal à avoir plus de soutien financier et avec ce mandat, nous voyons pour nous qu'il y a plus de besoins de financement avec ce mandat supplémentaire. Nous nous posons des questions aussi sur la participation, comment avoir la participation des gouvernements, du secteur privé, qu'il y ait des ressources pour les gouvernements, mais malheureusement, cela ne remplit pas les besoins de tous les gouvernements qui ont besoin d'un organe plus central d de coopération entre les gouvernements pour avoir plus de participation de leur part. Nous avons aussi des questions à propos des IGF régionaux et nationaux qui sont en développement et qui permettent de démocratiser la gouvernance de l'Internet dans, dans beaucoup de régions dans le monde. L'IGF ne permet pas d'entendre les voix de toutes les personnes et de développer le modèle de l'IGF, toujours. C'est pour cela que pour nous, la meilleure façon de continuer le travail de l'IGF et de soutenir nos discussions pour améliorer l'IGF est ici. Mais pour nous, dans le modèle de l'IGF, il manque encore. Euh, mieux parler des problèmes connectés dans tous les pays membres, notamment en matière de droits de l'homme. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent en silo et qui ne sont pas encore assez interconnectées. Nous espérons donc que les Nations unies vont plus travailler à l'interconnexion et avoir une approche encore plus inclusive. Merci. Merci, Deborah. Et avant de continuer, et à donner la parole au dernier orateur pour l'instant. J'aimerais aussi qu'on ait des commentaires sur les deux autres formats qu'on a eu. L'appel pour une architecture internationale. Je sais que tout le monde n'y a pas pris part, mais si vous avez des commentaires, c'est le moment de prendre la parole. Maintenant, à propos de l'IGF. J'espère plus d'apports. Nous avons eu beaucoup de commentaires en ligne. Certains commentaires étaient très intéressants, notamment par rapport aux modalités qui sont proposées aux groupes consultatifs. Il y a par exemple la possibilité de refléter le marché existant. Ce serait une façon de continuer le MAC. Et nous avons vu qu'il faut continuer aussi les bonnes pratiques. Comme nous les avons aujourd'hui, il y a aussi un groupe un bureau d'aide que nous devons approfondir. Vous Nous vous invitons à commenter à en parler avec le bureau exécutif. Il y a beaucoup de soutien si j'ai bien compris, je ne me rappelle pas, entendre des opinions négatives, mais je vous prie de prendre la parole. Maintenant, vous avez la parole. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Bonjour. Je m'appelle Chris Bakkerich. Je travaille pour le CCI régional et je m'excuse si je répète certains des éléments qui ont déjà été dit. Je vais essayer d'être succinct. Nous, on, par rapport au rapport du groupe de travail sur la coopération numérique, et ce n'est pas une surprise si l'on vient du monde de l'internet que une des choses que nous soutenons, c'est le besoin de plus de coopération et d'inclusion de toutes tous ces événements sur la gouvernance de l'Internet régionaux et nationaux, il y en a plus de 110 actuellement qui sont actives. En tant que registre de l'Internet, nous savons tout à fait l'importance de toutes les parties prenantes, peu importe la région d'où elles viennent, dans toutes les régions que nous couvrons ici. Nous réfléchissons aussi à la façon d'incorporer cela de façon tout à fait concrète. Je pensais à ce que nous avons parlé, évoqué auparavant en matière d'évolution, d'amélioration de l'IGF. Vous avez parlé des forums de, de bonnes pratiques. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour incorporer ces événements. C'est ce que nous avons fait ces dernières années et il y a beaucoup de travail qui est encore fait. Mais cela permet d'avoir plus de connaissances dans ce domaine. Et cela me mène à un autre point. Beaucoup d'évolution, d'incorporation de ces nouvelles idées, des idées que nous entendons aujourd'hui, a été faite par le MAG. Et cela est vraiment très positif. Cela a été fait par un groupe, par la partie institutionnelle de l'IGF. Cependant, je ferai attention car lorsque nous renforçons les infrastructures de l'IGF et lorsque. Nous parlons notamment des financements qui est particulièrement important pour les structures de l'ONU. Nous ne devons pas perdre le contrôle et la direction que le MAG et que les infrastructures et les structures de l'IGF ont. Nous devons avoir une approche descendante. Nous devons avoir le... Nous devons toutefois conserver une approche menée par la communauté. Voilà un petit conseil. Merci. Uh, participants à ce, si quelqu'un d'autre voudrait faire une intervention, s'il vous plaît, indiquez-le maintenant sinon, nous ferons la liste car que, comme nous sommes à nous voulons donner suffisamment de temps à M. Hotchard de répondre et de donner plus d'informations sur le processus

de l'agenda. Bonjour, je m'appelle Kurt Lake, je suis le représentant du gouvernement de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'est euh, félicitée euh, du euh, rapport. Nous soutenons les recommandations et je me rallie également à ce que vient de dire mon collègue de France. Nous pensons qu'il est crucial que les travaux euh, euh, ultérieurs euh, sont très importants. Il faut surtout les rendre transparents et fiables. Mais je voudrais euh, mentionner un autre sujet qui est également important dans ce contexte. En septembre 2018, euh, le secrétaire général des Nations Unies a présenté euh, un document sur les nouvelles technologies. Il s'agit d'un document excellent. Si jamais vous ne l'avez pas encore consulté, euh, je ne peux vous le conseiller. C'est vraiment un excellent document. Et la stratégie se penche de la question de savoir comment faire des Nations unies d'un forum qui permet de regrouper tous les acteurs intéressés. Comment rendre ce forum plus ouvert et plus transparent. Le groupe de haut niveau est un excellent exemple dans ce contexte et je voudrais demander à Monsieur Hurshild de nous parler un petit peu sur la façon dont ce rapport sera mis en œuvre et euh, quelle sera la poursuite des travaux et à quel point les, euh, les rapports vont influencer les, les travaux. Puis euh, une dame tout à gauche, merci. Je m'appelle Emily Strachan, Ellen Strachan, de Internet Nouvelle-Zélande. Le rapport euh, et les recommandations sont très intéressantes pour nous, tout comme les discussions d'ailleurs. Récemment, euh, également dans le contexte du Forum de Paris, hein, euh, c'est cette approche euh, multipartite. Hein, et à mon avis, cette approche multilatérale et l'approche multipartite est en collision. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous faire part de l'approche pragmatique qui a été poursuivie en Nouvelle-Zélande. Je pense que ça serait très utile dans la discussion, également dans la discussion autour du IGF. En mai, il y avait une initiative. À Christchurch contre les contenus malveillants sur Internet, c'était un processus unique avec la participation des gouvernements, avec la participation de la communauté technique et de la société civile. Si vous n'êtes pas au courant, eh bien en, en mars, il y avait un attaque terroriste en Nouvelle-Zélande. Dans le contexte duquel 51 victimes musulmans ont trouvé la mort, cette incidence a été transmise en ligne avec, dans un, dans le cadre d'un live un stream euh, en temps direct. Ça a été quelque chose d'inouï. Et la réponse. Comme réponse à cette incidence, il y avait un, un réflexe de la part du gouvernement d'adopter certaines règles, mais il était quand même clair qu'il fallait avoir une approche internationale qui faisait participer aussi la société civile et les autres acteurs. Et par conséquent, on a effectivement trouvé une approche International et là je parle du incubateur politique et de l'accélérateur. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces instruments dans des contextes pareils lors de l'attaque en Nouvelle-Zélande Les personnes concernées, ça va être tout de suite à qui s'adresser et euh, dans ce contexte, j'aimerais également euh, parler euh, du personnel euh, qui est nécessaire dans euh, ces institutions. Voilà, monsieur, vous avez la parole. Je m'appelle Chapéry et je viens de Iran. Je suis un représentant, euh, représentant euh, du monde scientifique. Tout d'abord, j'aimerais remercier euh, le groupe de haut niveau ainsi que les organisateurs allemands euh, pour euh, l'organisation excellente de ce forum. Au cours des 13 dernières années, euh, nous avons euh, sans cesse répété les mêmes choses depuis le début du processus du EGF en 2006. Hein. Euh, telles que les déclarations suivantes. Nous ne sommes pas en faveur d'un Internet euh, qui diffuse euh, des discours de haine euh, en ligne. Nous sommes contre un Internet euh, qui euh, sape la bonne réputation d'un Internet indépendant. Nous ne soutenons pas l'accès à la pornographie enfantine. Nous ne soutenons pas l'abus de femmes. De, de contenu xénophobe. Nous sommes contre un Internet euh, surveillé, euh, un Internet de manipulation qui euh, diffuse des propos coloniaux. Nous ne sommes pas en faveur d'un Internet. Euh, qui diffusent des cyberattaques, où il y a de la criminalité en ligne, des infractions. Nous souhaitons un inter avoir par contre un Internet qui est sûr. Donc euh, au cours des dernières années, nous avons publié des milliers de telles déclarations. Nous, nous opposons euh, les, les modèles. Euh, de, de la gouvernance Internet euh, qui existe euh, n'ont pas su résoudre les problèmes qui existent. Hein. Il y a toujours des abus d'enfants, il y a toujours des contenus pornographiques. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore réalisé de progrès dans ce domaine-là Eh bien, les modèles existants euh, n'ont pas euh, su résoudre ces problèmes. Hein. Dans le contexte de de la gouvernance internet, il y a encore euh, des problèmes qui persistent. Il faut améliorer et combler ces lacunes, sinon on va euh, les problèmes persistants. Les approches actuelles vont se déboucher sur une fragmentation d'internet. Certains pays vont utiliser, et abuser Internet pour promouvoir leurs intérêts politiques et pour infliger des sanctions en ligne à d'autres pays. Il y aura un manque, un déficit de régulation d'internet il y aura une concentration du pouvoir sur certaines plateformes qui vont saper la démocratie internationale la faible coopération entre les gouvernements en matière de cybercriminalité et de terrorisme est un problème nous recommandons le Veuillez terminer, s'il vous plaît. En fait, nous recommandons une meilleure, une meilleure approche multilatérale. Nous sommes en faveur de la définition de normes et de règles pour contrer les actions malveillantes sur Internet. Nous devons améliorer l'interaction des plateformes. Nous devons améliorer les poursuites des actions, des poursuites pénales, des actions malveillantes. Et nous nous, nous rallions à 100% à l'approche de la mise en place de nouvelles chartes pour la confiance numérique. Nous avons tous un rêve pour le futur d'Internet. Et je vais vous faire part de notre vision. Nous espérons. Que grâce à nos efforts, nous pourrons réaliser nos visions. Nous sommes en faveur d'un Internet basé sur des règles, un Internet de la confiance, une, une gouvernance transparente qui, part, qui fait participer pour tous les acteurs, qui est en faveur du développement paisible, de l'épanouissement de tous les individus. Merci beaucoup. On vient de me prévenir qu'il y a toujours la possibilité de nous présenter des commentaires par aérétique. Je pense que ça serait également une bonne, une bonne possibilité pour vous. Voici maintenant la dernière intervention. Je m'appelle Nicolas Praemamali. Je viens de l'Uruguay. Je suis également membre d'ISOC. Et je voudrais vous faire part de quelques recommandations concernant le rapport. En amont du IGF, nous avons fait des recherches et qui ont débouché sur une recommandation qui se réfère au processus. Il y a différentes instances, différents organes. Il y a cette approche multipartite qui fonctionne d'une manière Très, très bien. Très bonne. Et qui permet de faire participer tous les acteurs intéressés. Je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de la rencontre nette mondiale. Il y avait un logiciel qui a été préparu, présenté, présentait, qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait commenter. Donc notre recommandation euh, vise à introduire différentes catégories, les acteurs, les, les su différents sujets et d'aboutir à un processus numérique qui implique tous les acteurs hein, et qui nous permettrait de trouver une solution concrète. Hein. On pourrait également optimiser la phase des projets. Cela nous permettrait également d'intégrer les expériences que nous avons accumulées au cours des dernières années. Je vous remercie. Lynn m'a dit qu'effectivement, cette source a été exploitée pour la préparation de ce sommet. Donc, effectivement, nous essayons d'identifier les, les meilleures pratiques qui ont été développées au cours des dernières années. Donc avant de terminer, euh, j'aimerais euh, remercier tous les intervenants et de repasser la parole à ma collègue qui va animer la dernière partie de cette euh, réunion. Et pour commencer, je vais faire trois commentaires. Tout d'abord, j'aimerais euh, réitérer que je ne parle pas au nom du gouvernement du Brésil. Je parle ici euh, en tant que représentant. Euh, de l'organisation pour laquelle je travaille et j'ai suivi de très près le processus ces dernières années. J'ai également fait partie du groupe qui a organisé le Forum Net Mondial. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais faire apporter quelques commentaires, si, je, si vous me permettez. Tout d'abord, on devrait euh, se pencher encore une fois sur les résultats des, derniers, des deux dernières IGF. Hein. Dans la documentation, euh, j'ai très souvent lu euh, on n'a rien fait, mais à mon avis, ce n'est pas vrai. Au Brésil, par exemple, nous avons lancé la première version. Euh, nous avons présenté euh, la première vance, euh, version des mesures politiques qui ont été présentées. Hein. Et effectivement, c'est une première étape d'avoir un recueil de documentation qui devrait être utilisé par les décideurs politiques pour travailler sur les solutions. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est une ressource considérable. Il faut également tirer les leçons des derniers forums qui m'ont d'ailleurs très impressionné, beaucoup impressionné. J'étais fortement impressionnée par les propositions faites par les États-Unis de la part de Microsoft, par exemple. Il y avait des, des exemples très concrets. Nous devrions être fiers de ce que nous avons réalisé. Bien évidemment, nous pouvons toujours améliorer les choses. Il faut devenir plus visible, par exemple. Euh, Bien évidemment, nous devrions bénéficier du soutien qui nous est offert par euh, le secrétaire général des Nations Unies, mais on ne devrait surtout pas minimiser les travaux qui ont été ré réalisés au cours des dernières années. Maintenant, un commentaire concernant euh, un financement durable. Je ne peux que me rallier euh, aux voix qui ont prôné euh, une augmentation des fonds financiers. Moi, en tant que diplomate qui a travaillé euh, pendant très longtemps euh, dans le cadre des Nations Unies, je pense qu'il est irréel, irréaliste de penser que euh, les Nations unies vont nous mettre à disposition plus de fonds financiers parce que euh, les Nations unies ne font que euh, ce que les États membres décident. Moi, en tant que membre d'une commission, euh, j'ai fait l'expérience euh, qu'on est toujours préoccupé euh, des décisions euh, concernant euh, les implications budgétaires. Parce qu'il faut quand même euh, qu'il y ait une, inst qu une, un une instance qui prenne les décisions budgétaires. Donc il y a toujours une forte euh, pression, non seulement concernant les sujets qu'il faut euh, développer, mais également euh, concernant la coopération euh, en matière euh, de démocratisation, de paix, etc. Donc euh, la liste est très très longue. Euh, et bien évidemment, les... Pays membres doivent contribuer à ce processus. Un grand nombre de pays membres n'est pas présent dans ce fonds. Donc, je à mon avis, je pense qu'il n'est pas réaliste de s'attendre à plus de moyens financiers qui sont mis à disposition par les Nations Unies. Néanmoins, le soutien qui nous est offert de la part du secrétaire général est vital pour nous, nous en dépendons aussi, mais en fin de compte, ce sont les États membres qui vont décider du futur hein, du IGF. Hein. Euh, J'ai demandé à mon successeur de ne pas mentionner euh, cela dans le rapport parce qu'ici, je parle en tant que personne privée. Mais effectivement, il faut avoir un financement solide. Bien évidemment, il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Il y a d'autres acteurs qui ne sont là que pour cela, pour qui veulent générer des bénéfices. De toute façon, il faut agir concrètement. Nous devrions également prendre en considération. Que certains membres gagnent plus que d'autres. Et si jamais vous êtes à même de soutenir ce processus, vous êtes les bienvenus à mettre à disposition des fonds financiers, surtout quand, leur, quand des gouvernements ne sont pas capables de le faire. De toute façon, je pense qu'il est très précieux. Ce que nous faisons ici, tout un chacun devrait apporter son soutien. Je pense qu'il n'est pas réaliste que la société civile pourrait, peuvent contribuer, mais c'est peut-être plutôt le tissu économique et les gouvernements. Pour terminer, peut-être j'abuse aussi un petit peu de mon rôle d'animateur. Maintenant, je voudrais parler en tant que représentant de Med Mondial ou en tant qu'organisateur de ce forum. Donc voici mes réflexions concernant le problème de l'IGF. Nous devons faire en sorte que les résultats sont au bénéfice de tous ceux qui participent à ce processus et aussi à ceux qui ne sont pas présents ici et aujourd'hui dans cette salle. Les gouvernements participent activement et lors de l'organisation du Forum Net mondial, nous avons essayé de respecter les différentes cultures, de respecter les différents intérêts des acteurs. Nous voulions permettre aux différents groupes d'acteurs de choisir librement leurs représentants. C'est leur droit. On ne peut pas imposer auprès des gouvernements. Si nous l'avions fait, ça aurait été euh, impossible parce que nous avons quand même besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour. Euh, les différents groupes. Peut-être nous avons commis une erreur vers la fin du processus net mondial. Peut-être c'était une erreur de ne pas être allé en retour pour encore une fois consulter les différents groupes d'acteurs. Il y avait certains qui se sont opposés à ce forum et dans d'autres groupes, certains doutes ont été émis. Pourtant, NetMondial a été un forum unique et excellent, qui a débouché sur des résultats excellents. Si je pense, si je regarde en arrière, en arrière, si nous aurions utilisé concrètement les résultats de ce processus, eh bien tout le monde en aurait profité et bénéficié. Nous aurions été à même de créer une autre commission. Bien évidemment, le document final euh, soit différent. Mais je pense que les contenus sont essentiels. J'ai parlé euh, à des gens qui ont participé euh, aux différents forums NET mondiaux euh, qui m'ont dit euh, que les résultats ont été excellents. Je pense que tous les groupes d'acteurs devraient regarder euh, ces documents, consulter ces documents. Ce serait effectivement une bonne base de départ. Quand on m'a dit que le GF+ devrait faire des travaux normatifs, à mon avis, c'est une approche tout à fait irréaliste. De mon point de vue, je vous dis qu'il serait mieux de faire participer, de faire intervenir, intervenir un deuxième comité qui pourrait certainement générer des résultats très positifs, très bénéfiques. Le secrétaire général des Nations unies est également en faveur d'une telle approche. Bon, je voulais faire, juste faire ce commentaire personnel. Veuillez m'en excuser. J'ai... Man... Peut-être maintenant, euh, on devrait euh, continuer euh, et euh, en venir à la conclusion de cette session. Il y aura deux intervenants et je, pour conclure la session, j'aimerais encore faire deux commentaires. Merci de votre coopération au cours de cette longue session et nous avons partagé de très nombreux commentaires très utiles sur ce rapport. Est-ce que mes collègues et moi-même d'ailleurs ont pris en bonne note et nous ferons. De notre mieux pour les intégrer dans le suivi du document. Et j'ai trouvé les commentaires particulièrement enregistrants. J'étais un petit peu choquée par l'un des premiers commentaires faits lorsqu'il a été mentionné que l'IGF était un groupe multipartite qui pensait que les images pédopornographiques devraient être autorisées sur Internet. Eh bien, écoutez, ce type de version très libertaire de la façon dont les technologies devraient être utilisées peuvent s'épanouir et on ne peut pas être surpris, bien entendu, dans que des pays, dans ces cas-là, suivent mettre en fait des murs par feu. C'est un point de vue qui ne sera pas partagé par de nombreuses personnes dans le monde. Donc, la façon dont l'Internet est perçu comme un outil pour mondialiser ce type d'attitude, eh bien, risque de créer davantage de barrières. Et je crains que, sans prendre position par rapport à ces positions, et en ce qui me concerne, je suis vraiment assez sceptique par rapport à ces attitudes très libertaires. Eh bien, le risque direct serait effectivement une fragmentation de l'internet. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'il y ait un effort international beaucoup plus large pour protéger le bien commun, si nous souhaitons protéger l'approche globale de montagnale. Le défi des membres d'Afrique, de, 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 ce n'est pas tellement de construire de nouveaux modèles, mais c'est plutôt d'avoir la coopération internationale pour construire l'infrastructure, soit par satellite, soit souterrain, pour expander euh, l'accès au Internet. Et je crois que c'est là où il y a une urgence. Mais cette expansion a aussi la nécessité d'un appui politique. Et c'est là où on a discuté ce modèle de, de, de helpdesks uh, régionaux. Um, like J'aimerais remercier également toutes vos expressions de soutien, que ce soit la Suisse et les suggestions qui ont été faites, notamment les propositions d'amélioration du Danemark, de Rolf Raoul, de la Suisse et d'autres. Pour rendre l'IGF plus, plus efficace. Et je pense que l'idée que l'IGF soit un, situ, un tissu qui relie en fait les différents processus au sein des Nations Unies est une excellente idée. Mais je partage également le point de vue, c'est qu'il est important qu'il y ait davantage de ressources mises à disposition. Comme Monsieur l'ambassadeur l'a mentionné, les ressources, la situation des ressources des Nations Unies est loin d'être idéale, mais de nombreux pays ont exprimé leur soutien pour un igf plus. et si ils arrivent à apporter les ressources qui permettraient de soutenir leurs convictions, ce serait certainement le meilleur modèle et nous pourrions également, bien entendu, avoir au recours aux ressources des secteurs privés. ce serait également une bonne chose. c'est l'idée de raoul. et dans une certaine mesure, les idées exprimées par m. l'ambassadeur à savoir d'utiliser l'igf pas uniquement comme un forum de discussion, mais également pour proposer des normes, pour proposer des cadres normatifs qui pourraient être adoptés par d'autres organismes normatifs, y compris les Nations unies, est un bon modèle auquel nous devrions réfléchir. Du distingué délégué de la France, je crois qu'il y a un malentendu. Il n'y a aucune intention de manque de transparence dans le suivi des recommandations euh, du panel. Moi, je suis complètement à, à disposition de votre délégation à New York pour répondre à toutes les questions. Je suis maintenant ici complètement à votre disposition pour répondre à toutes vos euh, questions en ce qui concerne le suivi. Si on n'a pas encore publié... Le, le, les le, la composition de, de la table ronde pour faire le suivi, c'est parce qu'on est toujours en discussion avec le concerné. Euh, on a pris euh, les, les propositions pour composer ce groupe de les réaction qu'on a reçue de la. Euh, son plus ou moins sans réponse qu'on a reçu de tout le monde au rapport. Donc, euh, c'est à base d'initiatives de, 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 de des différents groupes qu'on a composé ce groupe. Le représentant britannique a également mentionné ce point, à savoir un manque de transparence dans la constitution de ces groupes. Et je souhaitais simplement souligner. Que je suis ravie, bien entendu, de me prendre du temps vendredi matin, en particulier pour les délégations françaises et britanniques, mais également, bien entendu, pour tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour vous donner un, un exposé détaillé sur la composition de ces groupes. Et je suis ravie de vous consacrer ces heures pour vous expliquer exactement comment est-ce que nous avons établi la composition de ces groupes. Et si nous n'avons pas décrit toutes les étapes de la composition de ces groupes étape par étape, c'est simplement parce que nous avons pensé que ce serait certainement plus respectueux de votre temps de le faire lorsque le travail serait davantage avancé. Mais nous sommes bien entendu toujours à votre disposition pour répondre à vos questions ou aux questions d'autres, bien entendu. Et nous souhaiterions bien entendu avoir la Grande-Bretagne et la France qui nous soutiennent de manière active et avoir des contributions actives de ces deux pays pour l'avenir de ce groupe et ce serait bien entendu bienvenu et nous en serions ravis. Cela vaut également pour les autres pays qui se sont déjà engagés à nous soutenir. Concernant donc la structure et... Euh, L'objectif donc n'est pas d'avoir en fait un doublon des différentes structures, notamment concernant les services d'assistance. Et nous avons à peu près la moitié de l'humanité connectée en ligne. Et cette, malheureusement, cette demi-humanité, c'est en fait avec un écart avec moins de 10% de femmes. Et en fait, le nombre de femmes connectées tend à diminuer plutôt qu'à augmenter. Et c'est un petit peu alarmant. Ces jours-ci. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que de connecter cette deuxième moitié de l'humanité sera certainement un défi beaucoup plus considérable que de connecter la première partie de l'humanité. Car la première partie, eh bien, ce sont les personnes qui ont largement profité de leur accès, notamment les pays occidentaux, des personnes vivantes dans les centres urbains. Et comme je l'ai déjà mentionné, la Taux de connectivité dans les 47 pays les moins développés ont des taux de connectivité les plus faibles. Et bien entendu, cela a son coût et cela va prendre du temps pour connecter cette deuxième partie de l'humanité. Et les estimations de coûts réalisées sont de 500 millions de dollars et le calendrier serait à peu près d'une période de 15 à 20 ans. Donc oui. Nous pouvons prolonger les efforts déjà entamés et les initiatives existantes, mais nous risquons d'aboutir à une fracture numérique. Nettement plus importante et des inégalités nettement plus importantes, où nous pouvons accélérer, accélérer les initiatives existantes, les coordonner davantage et tenter d'accélérer les choses comme le rapport le propose pour parvenir à cet objectif dans dix ans. Et je pense que nous devrions essayer d'accélérer ce processus. Et il me semble que c'est dans cet esprit que les recommandations ont été faites. La dernière question concernant la question de la Grande-Bretagne et concernant les ODD. Donc, merci de cette question parce qu'il s'agissait d'une stratégie interne, mais dans l'esprit de, de transparence et comme nous l'avons publié, il y a un certain nombre de piliers. Le principal étant que. L'accent devrait être mettre sur les technologies afin de comprendre davantage la, les implications de la technologie sur notre mandat, à savoir quelles sont les applications des nouvelles technologies pour les droits humains, quelles sont les applications des nouvelles technologies pour la paix et la sécurité, pour le développement durable. Donc de comprendre tout simplement quelles ces évolutions font à notre mandat traditionnel et... Dans le cadre de ce processus éducatif, ce serait également de voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons appliquer davantage ces technologies dans notre travail quotidien. Et le secrétaire général, tous les six mois, donc de période à intervalle régulier, fait des études d'observation au sein du système onusien pour voir à quelle vitesse les différents systèmes onusiens adaptent ces nouvelles technologies afin de réaliser au mieux leur mandat. Et le résultat était assez inégal, mais l'effort pour d'évaluation me semble être une bonne chose. Et montre également aux différentes parties des Nations unies qu'il est important de voir comment est -ce ils peuvent améliorer leur travail pour intégrer les nouvelles technologies, technologies numériques et autres. Un deuxième, une deuxième branche, en fait, de, cette, de ce travail, c'est la stratégie pour améliorer la coopération internationale. mais il y a bien entendu de nombreuses autres initiatives qui ont été réalisées, notamment dans le champ normatif qui fait partie intégrante du rapport. Et qui ont été mentionnés par le premier comité qui se penche sur le contrôle des armes. Il y a ici deux initiatives qui se penchent également sur les nouvelles technologies à l'intérieur de la lentille, donc de la paix et de la sécurité internationale. L'un, c'est un groupe de travail ouvert et l'autre est un groupe d'experts, constitué en fait de membres de différents groupes d'experts existants depuis plusieurs années, qui se penchent en particulier sur les normes. Qui devrait réglementer l'utilisation des technologies d'information dans le cadre des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Donc, tant au niveau de la coopération internationale et du côté nopathique, l'autre pilier de cette stratégie, il y a eu de plusieurs initiatives prises. Enfin, l'une des principales recommandations, c'est qu'il faudrait que nous développions notre soutien aux États membres dans, dans l'esprit de les guider sur l'impact des nouvelles technologies qui pourraient avoir sur le processus de développement, sur les économies, sur les processus de développement des droits humains, et de les soutenir là où ils en ont le besoin. Et je pense que différentes parties du système Odyssey, merci si certaines parties du système élilien, notamment les TU et d'autres. Ont déjà eu cela dans le cadre de leur mandat et ce depuis longtemps. Mais d'autres parties du système onusien, dans le cadre de leur mandat, font des efforts également pour développer leur capacité pour soutenir les États membres souhaitant l'être. Donc, nous avons déjà travaillé donc, à, la, à la mise en œuvre de cette stratégie. Nous avons rédigé une nouvelle version qui va mettre en exergue nos tâches principales et qui va être contrôlée, bien entendu, par le secrétaire général. L'objectif est de faire que les Nations Unies comprennent mieux ces nouvelles technologies et soient également en mesure de mieux soutenir les personnes et les pays qui ont besoin de notre soutien pour faire face aux transformations massives entraînées par ces nouvelles technologies. Donc ça va être une de nos priorités. Nous allons faire de notre mieux pour continuer à le soutenir dans sa tâche. Merci encore à vous tous pour vos commentaires très enrichissants, mais également pour votre patience. Avec mes maintes interventions, je vous remercie. Merci. Daniela, vous avez la parole. Merci Lyd, je vais être brève pour que nous puissions finir à l'heure. Car cette salle va être ensuite préparée pour la cérémonie officielle de palier. Donc, merci beaucoup de vos idées et de vos commentaires. J'en prends bonne note, j'ai appris énormément de choses. Et j'ai particulièrement apprécié cette image de l'IGF, à savoir que c'est la base, les fondations de la future gouvernance de l'Internet. Et je pense que c'est vraiment ce sur quoi nous devrions construire. De nombreux commentaires ont été faits soutenant l'idée de l'IGF+. Et effectivement, je pense que nous devrions éventuellement développer en fait une nouvelle maison. Donc l'IGF serait les bases, les fondations de cette maison et avec cette maison qui serait l'IGF+. Et je pense que c'est quelque chose dont nous devrions discuter en détail dans les semaines ou mois à venir. Euh, J'ai entendu l'appel lancé pour euh, avoir davantage de discussions entre les experts techniques et les responsables politiques. Et Fabrice Rochelle l'a mentionné également. J'ai parfaitement pris conscience qu'il n'y devrait pas de discussion sur le fait que l'état de droit, bien entendu, doit également s'appliquer à Internet et pas uniquement au monde non numérique. Et ici, il va falloir que nous fassions en sorte que ce soit le cas. Beaucoup d'interventions ont porté sur le renforcement des capacités financières de l'IGF et Monsieur le ministre Altmaier a annoncé hier que l'Allemagne soutiendrait l'IGF d'un million de dollars. Et nous serons bien entendu ravis si d'autres en faisaient autant. Je vous remercie pour venir à... Falkan à savoir qu'il faudrait combler le fossé entre l'IGF et les organismes décisionnels. Il a parfaitement raison. Je pense qu'il serait très utile si nous pouvions parvenir à des résultats plus tangibles, notamment des recommandations qui aideraient à combler ce fossé. Vous avez également demandé à ce qu'il y ait davantage de participation et je pense que c'est également essentiel. Et cela devrait effectivement être fait entre les différentes séances des forums de l'IGF. Ce serait essentiel. Et comme l'Allemagne a été nommée champion, je dirais plutôt un animateur, entre ces séances du forum, et bien je ne peux que répéter ce que j'avais dit en introduction, à savoir que nous serons aussi inclusifs que possible. Vous êtes tous chaleureusement invité à nous contacter si vous souhaitez participer aux tables rondes. Bien entendu, vous êtes cordialement invité à le faire. Merci. Merci Daniela. Je vais encore faire quelques commentaires rapides. Et cela fait des années que je suis l'IGF et sans connaître les détails, c'est que la position de l'IGDF, il ne faudrait pas mélanger la politique et la technologie, surtout lorsque il y a des problèmes de compréhension entre les différents processus. Je souhaiterais vraiment que les personnes s'informent davantage parce qu'ils sachent également de respecter les différentes limites, à savoir que l'IGF n'est pas un forum dans lequel des décisions contraignantes sont prises. Et il y a différents organismes qui sont responsables sur les décisions politiques et technologiques également. Donc ce n'est pas le forum pour ce faire. J'ai vraiment apprécié vraiment la participation de toutes les personnes ici présentes et bien entendu toutes les participations en ligne et également la participation des membres du panel. La gouvernance, l'Internet et les GF. eh bien ça a toujours été question de l'évolution et de répondre aux différents besoins. Il y a eu de nombreux changements au fil des ans concernant les GF l'IGF. Avec le soutien du gouvernement allemand, bien entendu, car pendant de nombreuses années, nous avons demandé à ce qu'il y ait une participation accrue du secteur privé et des gouvernements et des responsables politiques. Et l'Allemagne a été très active cette année. Nous avons eu des activités parlementaires au cours de la semaine avec un engagement au sein des activités de l'IGF et ce n'était pas des activités séparées. Nous avons également eu la réunion des leaders de haut niveau hier qui a été ouverte également et vraiment multipartite. Et nous avons également eu les fonds pour permettre la participation des pays en développement. Donc des efforts considérables ont été réalisés et MAG fait également des efforts considérables pour pouvoir consulter les suggestions qui ont été faites pour prendre en compte l'aspect de l'égalité des sexes notamment, mais également sur les questions politiques et de savoir quels sont les objectifs après chaque session et de tenter d'améliorer également les rapports qui ont été rédigés. Le MAC a eu trois réunions physiques depuis le mois de décembre. Il y avait également des réunions en ligne, en fait, toutes les 15 jours, et c'est vraiment un travail considérable. Je ne sais pas ce que l'on pourrait faire davantage pour améliorer encore le travail du MAC, que ce soit pour l'IGF+, ou pour une nouvelle base, pour l'IGF, pour ce faire, bien entendu, une fois de plus, il nous faut davantage de participation et de financement. Et je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres exacts, mais le fonds Philippe qui de l'IGF soutient le secrétariat, doit faire à peu près... Oh, bon à peu près un million par an et cela soutient pas uniquement donc euh, le secrétariat et le MAC, mais également tous les frais de déplacement pour les différents euh, déplacements. Donc vous imaginez bien que les moyens sont très limités, donc on n'est pas en cas se plaindre uniquement sur le financement, mais je pense que ces différentes séances pourraient apporter davantage s'il y avait un soutien supplémentaire et en particulier un soutien supplémentaire concernant le fonds fiduciaire pour soutenir les activités du secrétariat. Et nous avons eu la chance cette année que DESSO est parvenu et ait mis à disposition des fonds supplémentaires et que DESSO ait soutenu de nombreuses activités, car sans eux, nous n'aurions pas pu réaliser toutes ces activités. Et nous n'aurions pas pu réaliser un certain nombre d'activités en ligne et de rapports. Donc je vais en rester là. J'aimerais vous remercier et remercier les interprètes, les rapporteurs également. Et nous allons également faire une synthèse des messages clés. Dans les 24 heures à venir. Et je, Nicolas, je suis convaincue que le Mag à venir est, euh, tiendra compte de ces remarques. Et je pense que nous avons vu une participation accrue des différents acteurs ici. Et que c'est important, bien entendu, pour cette coopération numérique. Donc, s'il vous plaît, participez aux différentes enquêtes réalisées, Faites-nous part de vos réflexions. Et je suis ravie que vous soyez sérénité parmi nous. Merci. Et il faut que nous quittions cette salle rapidement pour que la salle puisse être préparée pour le panel à venir, pour que tout, tout le monde puisse sortir pour prendre son déjeuner. Je pense que c'est une question d'intérêt. Merci. Er sieht mich, er weiß, dass ich mir eins hole. Ähm, das. Noch mehr auf der Bühne oder hast du alle? Nein, da wird, das ist nicht alles runter. Ich habe noch ein Mikrofon geholt. und mache jetzt noch was. Die weiß wohl auch, oh, Ladies and gentlemen, would you please get this room clear for the next event as soon as possible? Thank you very much.